Merci, merci la chorale. Très bien, Vicious, très bien joué. Chantons des louanges. Au Seigneur. Je tiens à vous remercier tous, en particulier ceux d'entre vous qui êtes venus à l'heure. Et pour les ennemis du progrès, qui viennent toujours en retard quand nous avons terminé, pas de problème. Dieu seul jugera les ennemis du progrès. Ouais. Chantons des louanges. Au Seigneur. Chantons des louanges. Au Seigneur. Hey, non, 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 arrête ça. Écoute, si tu as fini tes bêtises, va t'asseoir et laisse-moi faire une annonce, s'il te plaît. C'est quoi ces bêtises, hein? Non, 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 dis-moi, c'est quoi ces bêtises? N'as-tu pas honte de toi, hein? Hein? Un simple truc que tu as à dire, dis-le et va t'asseoir. Nous ne sommes pas ici pour un être humain. Si tu as fini d'enseigner la chanson et de jouer le chef de chœur, alors je t'en prie, va t'asseoir, j'ai une annonce à faire. Président ou quel que soit ton nom, je sais que tu es le président de cette chorale, hein? Je n'ai aucun problème avec ça, mais tu ne peux pas arriver en retard et tu veux simplement comme ça faire une annonce. Après tout, en quoi tu fais évoluer cette chorale? Tu sais seulement faire des annonces. Nous-mêmes, on peut les faire des annonces. Viens, viens leur faire ton annonce. Je vais m'asseoir. Viens faire ton annonce. C'est pas toi le président. Tu n'es qu'un bouc, ça, je te le dis. Président. Tu n'es qu'un con. Président, s'il te plaît. Non, président. Président, calme-toi, s'il te plaît. Je viens en face pour te dire que tu n'es rien d'autre que le chef des cœurs. Et tu ne peux absolument rien y faire. Tu veux bagarrer avec ton chef de cœur? Je ne bagarre pas pourquoi? Alors que tu es arrivé en retard. Je ne bagarre pas pourquoi? Attends, tu crois vraiment que je parle de toi? Silence! Non! Silence! Mais pour qui est-ce que tu te prends? Silence de quoi? J'attends de loin. Au Seigneur! Je ne veux plus entendre aucun bruit. Chef de cœur! Silence! Ogene Mounia! Assieds-toi, t'as rien à dire. Tu donnes des ordres! Tu donnes des ordres! Tu n'as aucun droit de le frapper! Tu veux la bagarre? Tu bagarres? Un président qui bagarre? Et maintenant, tu bagarres! Notre président bagarre! Président, tu devrais pas faire ce genre de choses. Modestus, tu es la cause de ce problème. Moi? Oui, c'est toi. Tu ignores Kessy Wai? Hein? Dis-le lui. Comment? Tu lui manques de respect? C'est quoi ça? Respecte-toi. Respecte-toi. C'est comme ça que tu t'adresses à ton chef. Oui, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es Dieu? Je me le donne. Va leur faire mon travail. Va leur faire mon travail. Qu'est-ce que tu peux? Tu penses que tu fais quoi là? Hein? C'est bon, pardon, si Wai, laisse le couloir. Tu vas payer l'amende. Tu parles comme ça, tu vas payer l'amende. Hein? Non, vous êtes fous. Arrêtez. C'est pas vrai. Respecte-toi, c'est pas vrai. Tu veux bagarrer avec tout le monde? Ok. Hein? Mais c'est quoi cette histoire? Idiot. Modestus. Parle encore mal à si Wai, tu vas voir. Imbécile. Mon père, je suis fâché. Très fâché. Pourquoi? À cause du chef de cœur. En fait, le chef de cœur essaie de mettre un cheveu dans notre soupe. Vu la façon dont il considère les répétitions de la chorale comme si c'était une affaire personnelle. Je ne comprends pas. Hein? En fait, le chef de cœur essaie d'utiliser son poste au sein de la chorale pour inciter nos jeunes filles à avoir une liaison avec lui. Je ne comprends pas. Mon père, il faut le voir. Il faut le voir devant. Quand il dirige la chorale, il se sert de ses yeux et de ses mains pour dire à ses filles de venir chez lui, en faisant comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Es-tu sûr de ce que tu es en train de dire? En fait, si je n'étais pas sûr, je ne serais pas venu ici. Je l'ai vu, tout le monde l'a vu, vous pouvez demander à une ou deux personnes à la chorale. En effet, tous ceux qui sont vigilants savent très bien de quoi est-ce que je parle. C'est compris, je vais l'appeler et l'avertir. Mon père, il faut parler à votre fils. Vous devez l'appeler. Honnêtement, parce que ce qu'il fait là, moi, je pense que c'est pas du tout bien. C'est contre la volonté de Dieu. Je suis dépassé. Pas bien. Il trouble les filles. Je suis surpris d'entendre ça. Et c'est pour ça que j'ai bon de vous en parler. Vous comprenez un peu, de peur qu'une catastrophe n'arrive. C'était vraiment important que je vous en parle. Ce que tu as fait. C'est vraiment jugé important de vous en parler, vous comprenez? J'ai compris. Merci beaucoup. Merci. Je vais m'en occuper. Merci, mon père. De rien. Mon père. Bonjour à vous, mon père. Je cherche à te voir depuis. Alors, dis-moi, comment tu vas? Je vais bien, mon père. Mon père, je cherche aussi à vous voir. Quel est le problème?
Mon père, je n'aime pas la façon dont Siwai, le président de la chorale, nous traite. Hein? Mon père, pouvez-vous imaginer que Siwai cause des troubles entre les membres de la chorale? Hein? Tout le temps quand je suis en train de répéter les membres de la chorale, Siwai va venir nous interrompre. Parce qu'il est notre président. J'ai vu Si hier. Et il m'a dit que tu utilises tes mains et tes yeux pour parler aux filles. Et qu'ainsi tu les distrais dans la chorale. C'est pas vrai, mon père, alors vous voyez? Mon père, je suis innocent. Je le suis. Oh, ok, mon père. En tant que chef de chœur, n'est-ce pas mes mains et mes yeux que je suis censé utiliser pour diriger la chorale? Ou dois-je utiliser mes pieds comme ça? Suis-je un footballeur? Est-ce que je suis en train de tripler les gens? Mon père, j'utilise juste mes mains et mes yeux pour diriger la chorale. J'ai aussi appris que tu utilises tes mains pour faire des signes. Sûr qu'on te voit après la répétition. C'est pas vrai, Seigneur. Mon père, le président de la chorale est un menteur professionnel. Il aime trop mentir, hein? Comment peut-il dire cela de moi? Je me le demande. Hein? Mon père, écoutez, j'utilisais juste mes mains et mes yeux pour enseigner à la chorale comment atteindre le crescendo, l'innuendo et le diminuendo. D'accord. Je sais que t'es chef de chœur professionnel. Ah, voilà. Je te parlerai après. Et je parlerai aussi aux autres. Merci, mon que père. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, mon père. Bonjour. Bonjour. Courage, hein. Courage. Courage. Tu sais, ces zèbres poussent souvent jusqu'à ce niveau. Et il n'y a personne pour les couper. Hé hey, Prézi, Prézi. Oui, c'est moi-même. Prézi. Oui. Je te salue. Merci. Viens un instant, s'il te plaît. Comment vas-tu? Je vais bien, Prézi. Désolé de t'avoir arrêté. Il n'y a pas de souci. Je voulais te parler depuis quelque temps. Oui. J'espère que tout va bien. Tout va bien et tout ne va pas bien. Mais dans ce problème, je crois que tout ira bien. Oui. Tu vois l'attitude de notre frère Modestus à la chorale. Qu'as-tu à dire à ce sujet? Président. Oui. Je ne sais pas de quelle attitude tu es en train de parler. C'est à cause de la dispute que vous avez eue la dernière fois aux répétitions? Pas seulement ça. Ah. Pas seulement la discute que nous avons eue. La façon dont il dirige la chorale. La façon dont il se sert de son poste pour séduire et draguer les jeunes filles de la chorale. Attends, dis-moi, suis-je le seul à remarquer ce qui se passe? Ou bien alors vous ne voyez rien? Président, ce que je comprends, c'est qu'il utilise ses yeux, ses mains, son poste pour diriger la chorale. Mais s'il les utilise pour draguer ses filles, ça je n'approuve pas. Il utilise ses mains, ses yeux, sa langue et les autres parties de son corps pour diriger la chorale. Comme chef de chœur. Comme chef de chœur. Ouais. Mais il ne s'en sert pas pour draguer les jeunes filles. Tu n'es pas au courant de ça. Ah, ah. Dans tous les chefs de chœur de l'église, ils utilisent leur langue et même les yeux pour faire ça. Mais également leur bouche pour diriger la chorale. Non, non, non. Dans les autres qui font ça, simplement, ne dirigez pas bien. Hein? Non. C'est ce que tu veux me dire? Non. En tout cas, écoute, je veux que tu comprennes que tout ce qu'on fait sur cette terre, le regard du Très-Haut nous suit toujours. Oui. On peut penser que personne ne nous voit. Mais tu sais, celui qui voit dans le secret voit absolument tout ce qui se passe. Oui, tu as raison. Écoute, tu sais, Dieu voit tout et partout. Écoute, je vais te dire, parce que Dieu voit une fourmi noire, c'est une pierre noire dans la nuit. Si un enfant pleure en montrant du doigt une direction, si sa mère n'est pas là-bas, alors son pays est. Oui. Ou devrait être là-bas. Oui. Ce que je dis, c'est que je sais qu'il y a quelque chose là-bas. Ah. Oui, parce qu'en tant que président, ce que je vois étant aussi, vous tous dans la chorale, même si vous allez au sommet de la montagne,
Vous ne pouvez pas voir ça. Président. La joie que j'ai dans mon cœur, c'est que très bientôt, les élections auront lieu. Hein? Ce sera enfin une bonne occasion pour moi d'écarter ce chef de cœur de son poste. Je sais de quoi je parle. Je voterai pour quelqu'un d'autre. Président, écoute. Je sais que je peux diriger la chorale plus que lui. Je peux enseigner la musique plus que lui. Mais comme il est mon chef de cœur et je suis son assistant, je suis obligé d'être sous ses ordres. Et c'est pourquoi tu as l'impression que je le soutiens. Je le soutiens pas du tout. C'est bien. Oui. Écoute, tu n'as pas à le soutenir, tu sais. À moins que tu sois un mauvais homme. Bah non. Écoute, parce que seul un homme mauvais peut le soutenir, tu comprends ça? Bah. Oh. Quiconque soutient le mal ne cessera de le suivre jusqu'à ce qu'il meure. Tu as raison. Comme tu l'as dit, tu ne le soutiens pas. Pas du tout. Le Tout-Puissant te récompensera. Amen. Tu as compris? Amen. Ça va. Vas-y, merci pour le conseil. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bye bye. Prends soin de toi, merci. D'accord? Bonsoir. Hosanna! Lilouka Silou! Hosanna! Lilouka Silou! Hosanna! Umsa! Tu sors de la gamme. Mm. Tu dois maintenir ta gamme. Maintiens-la. Umsa. 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 Hosanna. Umsa. 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 Ouais, tu n'es plus le chef de cœur, hein? Oublie ça. Quand je t'enseigne, tu dois apprendre. Parce qu'on apprend de n'importe qui. Ah bon? On peut apprendre de n'importe qui. Oui. Je n'ai pas besoin d'être ton chef de cœur pour savoir ce que je sais faire. Mais tu es le président de la chorale. Je sais. Sais-tu que lors de la dernière session du CCA, il a été conclu que cette année, notre chorale participera à une compétition? Oui, et elle débutera très bientôt. Ah bon? Oui, je t'assure. Hey! Que le nom de Dieu soit loué. Dieu. Alléluia. Soit loué. Oui, je suis très content. Je veux qu'on gagne. On va gagner. Je veux qu'on gagne cette compétition. Le seul problème que j'ai maintenant, c'est Modestus. Modestus? Notre chef de cœur. Un orgueilleux? Oui. Notre chef de cœur. Tu sais, Modestus est trop imbu de lui-même. Modestus pense qu'il est meilleur que tout le monde. C'est le seul problème que j'ai. En dehors de ça, toutes les autres choses marcheront comme prévu. CY. CY, ne me dis pas que tu es jaloux. Oui? De qui? Pourquoi parles-tu de la sorte? Es-tu le chef de cœur? Ou peux-tu enseigner le chant? Donc, parce qu'il est le chef de cœur, tout le monde devrait se prosterner à ses pieds juste pour ça. Hein? N'as-tu pas remarqué son comportement envers les jeunes filles de la chorale récemment? CY. De quoi tu parles? Ah, tu as mal compris. Je n'ai rien remarqué. De quelle fille tu parles? Tu dis ma Jinwei et les autres filles. N'as-tu pas remarqué comment le chef de cœur les regarde? Toujours en train de faire des mimiques. Il utilise ses yeux pour leur faire des signes. Du genre... comme ça. Comme ça. Tu sais, toutes ces choses qui se passent me poussent à m'inquiéter. Et tu sais que ce qu'on fait n'est pas une chose Chanel. Écoute, le chant à la chorale fait partie des choses spirituelles. CY, tu es sûr de ce que tu dis? Ah. Je sais que notre chef de cœur, Modestus, ne peut pas faire une chose pareille. Je ne te crois pas. Ne parle pas ce que tu ignores. Ne parle pas ce que tu ignores. Ce que je vois étant assis. Tu sais, même si tu vas sur la montagne, tu ne le verras pas. Je sais ce que je dis. La seule chose que j'aime maintenant, c'est que lorsque nous chantons des chansons, ce n'est pas pour un être humain que nous chantons, tu sais. Okay, mais pour le très mort. Il voit dans le spirituel. Et dans le physique. CY, je n'ai vraiment aucune envie de commérer. J'ai déjà faim, je dois manger. Mon ventre gronde déjà de famine. Je vais chez moi manger. Allons-y. Où tu veux que je vienne manger chez toi?
Va chez toi et je vais chez moi. Je hais les ragots. Tu peux rentrer seule. Ok. Laisse-moi au moins te raccompagner. Ne t'en fais pas. Je peux rentrer seule. On a un problème. Je vais prendre de l'air. Hey. Oui. Bonne soirée. C'est ce que tu veux? Hosanna! Bye bye! On se voit demain en répétition. Ouais. Comme si j'allais rentrer avec toi. Hosanna! Hosanna! Tonton? Tonton? Maman? Mais vous devez venir m'accueillir, non? Tonton! Ah. Bon après-midi, Amanda. Tonton. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah. Regarde-toi. Tu n'es plus la petite Amanda. Voyez ça. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que tu as grandi? Tu n'es plus la petite Amanda que j'ai connue. Bienvenue. Ah, c'est quoi ces cordes dans tes oreilles? Quoi? Ah, ça, ce sont mes écouteurs. Ah, des écouteurs? Oui. Alors comme ça, Amanda, à ton âge, tu portes encore des écouteurs? Ne sais-tu pas que ces choses endommagent l'oreille? Hein? Je sais, tonton, tu ne me dis même en pas tout cas, bienvenue. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors comment se portent les gens de ils la ville? Ils vont bien. Ah, lui, madame, c'est le motoman d'entendre. Pourquoi vous m'avez laissé dehors? S'il vous plaît, donnez-moi mon argent. Et le c'est qui? C'est le motoman. Et alors? Et cela te donne le droit de l'appeler madame, hein? C'est une femme, non? Pardon, j'ai jamais donné mon argent. Pardon, je veux mon argent. Et alors? Si c'est une femme, cela te donne le droit de l'appeler madame? Elle ressemble à une madame? Hein? Et puis derrière, combien tu lui dois? Elle me doit 700 naira. Donnez-moi mon argent. Quoi? 700 quoi? 700 naira, ce n'est même pas beaucoup. Ah. Hé, la femme, qu'est-ce que tu en sais de l'argent, toi? Ah. Qu'en sais-tu de l'argent et de combien les mototaxements demandent dans ce village? Allez, où est-ce que tu l'as transporté pour lui demander 700 naira? C'est la fille du président? Monsieur, ça ne vous concerne pas. Cherchez mes 700 naira, vous me donnez. Moi, je n'ai pas de problème. Elle a accepté le tarif. Attends, dis-moi, tu veux t'enrichir sur la moto? Tu tiens vraiment à t'enrichir sur la moto, en fait? Ton argent, c'est 200 naira. Habituellement, c'est 100 naira, mais je te donnerai 200 naira parce que tu l'as transporté jusqu'ici. Donne-lui seulement son argent, s'il te plaît. Monsieur. Écoute, ton argent, c'est 200 naira. Si tu veux, tu prends, tu veux pas, tu laisses. Prends ton argent et dégage ici. Prends ton argent et va-t'en ici. Regarde ta tête. Tiens. Tu invites une femme et tu n'arrives même pas à payer. Tu es trop chiche. Tu es seulement bavard. Dis-moi sincèrement, toi, tu peux. Tonton, c'est bon. Tu as de l'argent et escroc. Espèce d'escroc. Donne-moi ça, enfin. Ne l'écoute pas. Où est maman? Le petit bandit du village. Elle était là. Elle est allée au marché. Maman? Hein? C'est la cuisine? Je suis en train de préparer le repas du soir. Hey, je te dirai que ça sera délicieux. Tu connais ta mère. Bien sûr. Je vais t'aider en attisant le feu, maman. Hey. Je vais me régaler. L'arôme de la nourriture est paradisiaque. Tu connais ta mère. Mon cordon bleu. Baby, na you diso maito. Qu'est-ce que celle a fait? Mon fils. Elle chante et danse depuis le matin. Je me demande quel genre d'éducation ma fille lui a donné. Je suis dépassée. Je m'en fous. Hé, madame, qu'est-ce qui se passe sur toi? Tu es normal? Comment peux-tu chanter et danser sans musique? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux devenir folle ou quoi? Tonton, qu'est-ce qu'il y a, non? Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette maison, hein?
Ce sont des paroles que je cherche à avoir depuis une heure maintenant, hein? Tu vas avoir les paroles? Non, tu auras bientôt l'église chrétienne du Christ. Oh, l'église de la parole vivante du Christ. Tu veux les paroles? Tu es venu dans ce village pour te racheter. Ne peux-tu... Tu peux trouver quelque chose à faire de ta vie? Maman est en train de cuisiner. Ne peux-tu pas l'aider? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle genre d'éducation ta mère t'a-t-elle donné? Honnêtement, je m'étonne. Hein? Si. Écoute, cette fille est très têtue. Je me demande comment elle traitait ses parents. Au point où on l'envoie au village, venir vivre avec nous. Je t'assure. Elle ne peut pas vivre ici. Je ne peux pas vivre avec elle. Très têtue. Écoute, laisse-moi te dire. Ce n'est pas Lagos ici. Ou encore moins Abuja. Où tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux et t'en tirer comme ça. Et si c'est le village, si tu ne fais pas attention, je vais te battre correctement et t'enfoncer l'éducation dans ta tête. Ok. Allez. Tout ici a été énervant, hein? Je ne peux même pas avoir un peu de temps pour moi-même, hein? Dans la propre maison de ma mère, hein? C'est tout le monde qui se comporte comme une chèvre. Hey! Incroyable. Et où Nawapia? Si tu entends ça, on se comporte comme des chèvres. Non. Mais... Se comporter comme des chèvres. Hey! Tout le monde est gâté. Donc nous sommes des animaux pour ça. Mais quelle insolence! Insolent. Moi, Siwai, je me comporte comme une chèvre. Hé, hey, Amanda, tu vas voir ce matin. Moi, je suis une chèvre. Je me comporte comme une chèvre. Là. Moi, Siwai, je me comporte comme une chèvre. Attends, tu vas voir. Attrape-la. Corrige-la. Frappe-la. Comme une chèvre. Chèvre. Frappe-la. Tu me comprends comme une chèvre? Arrête-toi. Tu me comprends comme une chèvre? Frappe-la. Viens, car. Maman. Mais. C'est ce qu'on verra. Je baigne. Attends. Frappe sa pied. Frappe-la bien. On verra. Frappe-la bien. Donne-lui ça dans ton cou. Reviens là. Frappe-la. Vas-y. Rattrape-la. Amanda me traite de chèvre. Do, ré, mi, fa, si, la, si, do. Do, si, la, so, fa, mi, ré, do. Président, qu'est-ce que tu chantes bien? Prési. Tu chantes vraiment très bien. Bienvenue, Modestos. Merci. Vu comme tu es venu chez moi ce matin, j'espère que tout va bien. Ah, tout va bien. Je suis encore ton chef de cœur. Va à l'intérieur et apporte-moi la cola, pardon. Dépêche-toi. Le chef de cœur est ici. De quoi tu parles? Je te donne la cola pourquoi? Tu te crois la gare routière ici ou quoi? Ma maison ressemble-t-elle à une gare routière? Que j'ai te chercher la cola. Donc maintenant tu vas chez les gens en espérant voir de la cola et à manger? Écoute, si tu n'as rien de bon à dire, alors je t'en prie, va-t'en. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'argent. Prési, calme-toi. Je ne peux plus blaguer avec toi. Je m'amusais seulement. Tu sais que... Dimanche prochain et le premier dimanche du mois, il y aura la messe en latin. Voilà. Donc, il y a une nouvelle chanson en latin que j'ai prise chez un ami chef de chœur. Je veux aller photocopier ça. Tu voudrais aller faire des photocopies? Oui. Et alors, en quoi est-ce que cela me concerne? Ma maison ressemble-t-elle à un secrétariat bureautique? On t'a dit qu'il y a une photocopieuse ici. Quelqu'un t'a donné une chanson. Tu laisses endroit, tu es censé aller faire des photocopies de cette chanson pour venir déranger CY. On t'a dit que CY a une entreprise de photocopie et que tu n'as qu'à photocopier ce que tu veux photocopier. J'ai besoin que tu me donnes de l'argent pour les photocopies. Tu es venu prendre l'argent pour les photocopies. Photocopies. Ne t'en fais pas, bientôt ça sera même les cotonocopies. Les photocopies. J'ai besoin que tu me donnes l'argent pour les photocopies. Il n'y a pas d'argent. Modestie, je te donne de l'argent depuis et tu ne m'as jamais rendu un compte là-dessus. L'argent dont on parle là, c'est ton argent? Ce n'est pas l'argent de la chorale? L'argent de la chorale. Hein? L'argent de la chorale. L'argent de la chorale. Il est à ma possession. Oui, cet argent est à ma possession. Bon, laisse-moi te dire, Modestus. Commence à me rendre compte de l'argent que je t'avais déjà donné depuis. Avant que je te donne encore de l'argent. Tous les jours, je prends de l'argent, on ne sait même pas exactement ce que tu en fais de ça. J'ai compris. Merci.
Donc, tu ne vas pas me donner cet argent, c'est ça? Il n'y a pas d'argent. Sans problème. Je m'en vais. Hein? Ça veut simplement dire qu'on ne va pas chanter la chanson en latin dimanche. Hein? Je vais juste leur dire que je suis venu prendre l'argent et tu as refusé de me donner de l'argent. C'est pour cette raison qu'on n'a pas pu chanter. Hein? Combien est-ce que tu veux? Avant que tu me racontes des bêtises. Bah voilà, bien parlé. 1500 naira, seulement. Bon après-midi, monsieur. Ah, jeune fille. Bon après-midi. Salut. Ma beauté. Ah. Tu es nouvelle ici? C'est ta nièce dont tu nous as dit qu'elle vient d'Abuja? C'est ma grand-mère dont je t'ai dit qu'elle est morte il y a de cela 20 ans. Allez, allez, oh, t'es pas d'elle, imbécile. C'est même quoi ton problème, Modestus? Tu es normal? C'est quoi? Non, attends, tu vas finir avec la fille de la chorale? Tu es toujours en train de draguer tout jupon qui passe. Ton anaconda ne connaît pas de repos. Allez, madame, à l'intérieur. Ok. Modestus. Modestus. Ah, Prézi. Modestus. Prézi. Écoute, laisse les choses charnelles. Dieu n'aime pas ça. Soucie-toi des choses. Oui, oui, les choses spirituelles. Les choses spirituelles. C'est ça. Tu sais quoi? Tiens, prends tes 1500. Tiens. Allez, allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Vas-y. Prézi. Prézi. À dimanche. Mardi. Imbécile. Ce Modestus est vraiment très dangereux, ce gars. Il couderait toutes les filles du village, genre C'est quoi ça? Hein? Dès qu'il a vu la fille, piam, il a changé de sujet. C'est ta soeur ou ta nièce? C'est ma nièce, ma bête. Un malade comme ça. Tu es chef de cœur à l'église. Chef de cœur à l'église, tu n'es pas censé faire les mauvaises choses. Aucun respect pour rien. Amanda! Amanda! Oui, tonton. Amanda, écoute-moi bien. Sous aucun prétexte. Aucun prétexte, n'importe où, n'importe quand. Je t'avertis. Même dans tes rêves les plus fous. Si tu vois ce jeune homme venir vers toi, arrête-toi. Si tu le vois venir, tourne-toi et fais demi-tour. Oui, tonton. Est-ce que tu as compris? Oui. Merci. Retourne dans ta chambre. Écoute, Jude, pourquoi ce gars qu'on appelle si wild dérange aux répétitions de la chorale? Sam, si ça ne dépendait que de moi, je t'assure, ce type qu'on appelle si, il ne serait plus président. Hé! Hey, mes gars sûrs! Dia, dis quoi, Dia? Modé. Mes gars sûrs! Modestus! Modé. En chair et en os, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Sol, fa, mi, ré, do. Tu es fort. Modestus. Hey. Ok, bou. Pardon de vous avoir fait attendre aussi longtemps, les gars. Sans problème. Je suis désolé. Je vous ai fait attendre, les gars. J'espère que vous allez bien. On va bien, mon frère. Moi, ça va. Je ne me plains pas. Je vous ai appelés tous les deux parce que vous savez très bien ce qu'on a prévu. On t'écoute. Je suis allé là-bas hier. Quand je suis allé chez lui, je lui ai demandé de me donner de l'argent. Et il a commencé à m'interroger, moi. Ah. Comme si moi j'étais un voleur et lui une sorte d'inspecteur de police. Juge. C'est pas vrai. Comme juge du village. On aura vraiment tout vu. Un véritable juge. Oui. En fait, hein, si je ne le respectais pas, je l'aurais boxé. Croyez-moi bien. C'est sûr. Et finalement, qu'est-ce que CY a fait? Ha! Après m'avoir interrogé, je lui ai dit, si tu ne me donnes pas cet argent, je vais aller voir le prêtre de notre paroisse et dire au prêtre de la paroisse que tu as dit que tu ne donnes pas l'argent pour les photocopies. Et c'est pour cette raison qu'on ne chantera pas la chanson en latin ce dimanche. Voilà, correct. Voilà. À l'instant où j'ai dit ça, il a commencé à se fouiller comme une espèce de joueur de cartes. Et il m'a donné les 1500 naira. Qui se croit rusé? Il trouve toujours plus rusé que lui.
C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé ici tous les deux pour qu'on célèbre ça. On était, c'est votre argent. Je l'ai dit. J'ai bien dit. Lorsque tu m'as appelé ce matin, me disant à Jude et moi de venir t'attendre ici, je savais que c'était pour une bonne nouvelle. Do ré mi fa sol la si do. On le fait avec c'est bon. Do si la sol fa mi ré do. Hey, tiens, viens, viens, viens. Où est la serveuse? Viens, viens, pardon, viens, 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 viens. Serveuse? Oui, j'arrive. Viens, 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 viens. Oh, viens. Mais bon client. Hein? Place-toi là. Mais c'est perdu. Oui, oui, oui. Mon vrai, passe-toi. Les commandes, hein? Quelle commande? Apporte n'importe quelle bière, on fait la fête. N'importe laquelle. Trois bouteilles. N'importe laquelle. Apporte. On appelle ça NQB. N'importe quelle bière. N'importe quelle bière. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est aussi la musique comme ça? En tant que chef de chœur, je sais comment... Hey, tu dois commencer à utiliser l'alphabet pour créer une chanson. Écoute-moi très bien. Je te dis que hier, Sam, pas possible. Tu vois hier, hein? J'ai vu la nièce de CY. Sam, cette fille est... Une déesse. Une vraie beauté. Tu as encore recommencé? Laisse cette histoire de recommencer. Voilà, vos bières sont là. Ouais, merci. Elle les ouvre du coup. Ouvre-les. Ouvre. Mes bons clients. Oui, notre serveuse. Autre chose? Tu as la viande de porc. Ok, j'arrive. Mes frères, Sam... Si tu l'avais vue, une déesse. Je t'assure. Aïe, aïe, aïe. Je vous assure. Écoutez, hein, j'ai réfléchi même à trouver un moyen, hein, de convaincre CY d'amener la fille pour qu'elle soit membre de la chorale. Comme ça, je ferai personnellement sa formation vocale. Hein? En fait, pas seulement la formation vocale, mais elle sera mon assistante personnelle. Je suis en train de penser que cette fois... Tu sais qu'on est amis. Et tout ce qui te concerne, nous concerne aussi. Ah oui, tu as bien raison. Et cette fois-ci, laisse cette fille pour moi, Sam. Je veux, ok? Pour qu'on n'ait pas de problème, prends le crescendo. Laisse le diminuendo pour moi. Sorcier! Écoute, laisse-moi te dire un truc. Si tu n'étais pas mon ami, j'aurais ajouté même idiot là-dedans. Hein? Yeah? Écoutez, laissez-moi vous dire un truc à tous les deux. Vous voyez la nièce de CY? Personne ne devrait s'approcher d'elle. Vous êtes mes amis, mais quand il s'agit de la nièce de CY, je vous en prie, personne ne doit s'en approcher. En tout cas, comme on est amis, et vous savez que je suis un très bon ami pour vous, les gars, écoutez, après la nièce de CY, toutes les filles qui entreront à la chorale, hein, Sam, tu les prendras et tu feras leur formation vocale. Et si cette fille n'est pas belle? Si la fille est laide... Donc c'est moi qui sera simplement. Non, c'est ton tour. Si la fille est laide... C'est ton tour. Cessez de vous chamailler. Laissez-moi conclure ceci par... On se redresse. Attendez, je dirige ça. Une, deux, prêt, partez. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi. Être dans la chorale. Italie est à la baie. Go. Allez, on va reprendre depuis le début, d'accord? Allons-y. Vas-y, s'il te plaît, arrête. Chef de chœur, ne te fâche pas. Nous répétons les vieilles chansons latines depuis. Pourquoi? Prézi, quelle est la différence entre les vieilles et les nouvelles chansons en latin? Une chanson en latin n'est plus une chanson en latin. Une chanson en latin reste une chanson en latin. Que le latin, c'est le latin. Oui. Qu'en est-il de l'argent que tu es passé prendre chez moi? Tu m'as demandé de te donner 1500 Naira. Que tu vas t'en servir pour photocopier de nouveaux champs pour nous. Oh, mais tu aurais dû être direct. Oui, c'est vrai, tu m'as donné 1500 Naira pour photocopier notre nouvelle chanson en latin. Je l'ai fait, mais le problème c'est que je l'ai oublié à la maison. Désolé, vous devez me pardonner. J'ai oublié ça à la maison. Tu ne peux pas faire une erreur pareille. Pas du tout.
Comment peux-tu photocopier une chanson pour la chorale? Et tu la laisses chez toi pour aller aux toilettes avec... Ça ressemble au papier toilette? Écoute, tu sais quoi? Tu vas rentrer chez toi maintenant et les apporter avant qu'on ne puisse continuer. Faute de quoi, je vais arrêter ces répétitions de la chorale sur le champ. Avec tout le respect, s'il te plaît, je ne pense pas qu'il soit avisé pour toi d'arrêter la répétition. Allez, ferme ta bouche. J'ai dit la vérité. Pourquoi est-ce que tu lui demandes de fermer sa bouche? Ce qu'il a dit est vrai. Alors comme ça, comme je ne suis pas venu avec les photocopies de la chanson, tu veux interrompre les répétitions de la chorale? Prési, attends. Écoute. Comme il dit qu'il les a oubliés chez lui, hein, laisse qu'on continue avec cette chanson. La prochaine fois, il les apportera. Écoutez. Tu n'es que le président. Je suis le chef de chœur ici. Je décide de ce qu'on chante. Prési, ne me respecte pas. Prési, attends. Moi, c'est sur les photocopies de la chanson. Sinon, Prési, personne ne chantera. Prési, attends. S'il te plaît. Personne ne chantera. Attends. Prési. Je suis le président de cette chorale. Il a oublié les photocopies à la maison. Pour cette fois, tu passes l'éponge et on continue avec la chanson. Ouais, tu sais, ne sais pas de qui tu parles. On répète ici avec un lion. Ben, tu vas tous nous dévorer. Il n'apportera pas ses photocopies. Tu m'insultes. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qui peut me mettre dans le même groupe à l'église avec l'aide de chèvres? Si ce n'est pas pour prier pour Dieu, vous avez vraiment beaucoup de chance. Sinon, qu'est-ce qui me mettrait avec des chèvres dans la même chorale? Au lieu de voter Baptus comme chef, il refuse. Je vous blâme pas sur le prêtre que je blâme. N'importe quoi. Amanda, mais où est passée cette petite fille? Amanda! Dis-moi, Amanda! Tu es rentrée? Amanda n'est pas à la maison. Elle est allée accompagner son petit ami. Petit quoi? Un jeune homme était ici haut et Amanda m'a dit que c'est son petit ami. Ils sont restés ici longtemps à causer, rire. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont partis. Mais je ne pense pas qu'elle soit loin. Me raconte pas cette connerie. Que devrais-je faire? Tiens là, Amanda a ramené un homme ici, ils ont causé, ils ont ri. Ils ont fait absolument tout ce qu'ils avaient envie de faire. Et tu n'as absolument rien dit. Que voulais-tu que je fasse? Que voulais-tu que je lui dise? Tonton, t'es rentré? C'est mon fantôme. C'est quel genre de question, ça? Amanda, d'où est-ce que tu sors? Je suis allée raccompagner mon petit ami. Tu as entendu, non? Je te l'ai dit. Toi, Amanda! Hey. Tu as l'audace d'ouvrir ce stupide truc que tu appelles bouche pour me dire que tu es allée raccompagner ton petit ami? Raccompagner ton petit ami? Mais, tonton, il n'y a rien de mal à ce que j'ai un petit ami. C'est tout à fait normal. Hey! Et non. Il n'y a rien de mal à ce que tu aies un petit ami. Amanda. Dis-moi, Amanda, tu ouvres ce petit truc que tu appelles bouche pour me dire qu'il n'y a rien de mal à ce que tu aies un petit ami, c'est ça? Et tu as l'audace de ramener un homme dans cette maison. Non, mais c'est le monde à l'envers que je vois là. Vous causez rien. Et comme si ce n'était rien, tu rajoutes que tu es allé le raccompagner, mais tu es malade? Hein, Amanda? Amanda, laisse-moi te dire ceci. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas Lagos ou Abuja ici. Prends garde à ce que tu fais. Y a-t-il une loi qui interdit d'avoir un petit ami? Attends, tu es malade? Tonton! Laisse-la comme ça. Va à l'intérieur. Elle rentre. Maman! Laisse-la. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ça va. Ouvre encore ta stupide bouche. Calme-toi. Ose encore ouvrir ta sale bouche. Tu vas tuer cette fille. Reste tranquille. Mais qu'est-ce que c'est? Calme-toi, ce genre de fille. Ça va. Laisse Amanda. Tu vas la tuer. Elle n'y a rien de mal à avoir une petite amie. En ma présence. Essaye encore de dire ce genre de bêtises. Idiote. Mais c'est quel genre d'éducation qu'on donne à cette fille? Tu as le culot de me dire, avec tout le respect, que je suis allé accompagner mon petit ami. C'est quoi ça? C'est seulement dans l'envers ou quoi? Essaye encore de faire cette bêtise et tu verras. Et puis d'ailleurs, que je vois encore un stupide garçon dans cette concession. Non, qu'il revienne encore. Et puis c'est comme ça que bientôt tu vas me ramener une grossesse. À partir de maintenant, je te souviens à la loupe. Ne t'en fais pas, je vais te surveiller jour et nuit, ma fille. Tu vas m'accompagner aux répétitions de la chorale. Regardez ce qui parle de petit ami, n'importe quoi. Je ne te blâme pas.
Festus avait... Ok, on est en train de faire des vocalises. Les vocalises. Ah, des vocalises. C'est ce qu'on appelle vocalise en brousse. Comme ça, si tu veux chanter, tu te tournes pour savoir s'il y a l'écho. Par exemple, si tu veux chanter... Do... Oh, ceci, c'est la chaleur. La chaleur. Oui, ce n'est pas si ça. C'est seulement à cause de ça, permets-moi de me retourner. Oui. Ce n'est pas... Non. On faisait simplement le crescendo oui, et le diminuendo. Exactement. Ave! Et... Comment je vais faire? Bye. Laisse-moi, bye. Oh, Nigné, tu es allé au marché, tu ne m'as rien dit. Ah, je ne savais pas que tu allais au marché aujourd'hui. Pardon, laisse ça. C'était Tinoué, tu serais allé chez elle direct pour l'appeler. Mais je ne suis pas Tinoué. Moi? Appeler cette bonne à rien d'orgueilleuse? Non. Comment tu parles comme ça? Vous avez des problèmes? Non, on n'a aucun problème. Mais son orgueil est exagéré. Elle pense que comme elle est chantre à la chorale, tout le monde doit la respecter. Je ne vais pas la respecter, pas du tout. Attends, qu'est-ce que tu croyais? À quoi tu t'attendais? C'est la chouchou du maître de cœur, hein? À quoi est-ce que tu t'attendais? Ok, bientôt on saura si elle est sa chouchou ou non. Pardon, vu la façon dont tu parles, on dirait que tu es tombée amoureuse du maître de cœur. Non, toi tu n'es pas amoureuse du chef de cœur. D'accord, à plus tard. Je m'en vais. Hey. Excusez-moi, vous n'êtes pas bien entré. Qu'en est-il ? Vous coupez ? Odogunaya. Oui, Naya, vous levez ça. Ha, Odogunaya. Exactement, reprenons ça s'il vous plaît, on y va. 1, 2, go. Bravo, 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 bravo. Président. Le président a fait quoi là? Chorale, s'entend des louanges. Oh Seigneur. Chorale, s'entend des louanges. Oh Seigneur. Vous voyez? Quand Jésus est dans la famille, il y a de la joie partout. Oui, oh. Mais lorsque Satan entre, tout commence à partir en vrille, en vrille, en vrille, en vrille, en vrille. C'est la raison pour laquelle on chante quand Jésus est dans la famille. Il y a la joie partout.
Quand Satan est dans la famille, il y a plein de problèmes. Vous comprenez? Vous devez comprendre plus que moi. Vous voyez? Les répétitions d'aujourd'hui sont vraiment très bien, magnifiquement, merveilleusement, agréablement. Tous les adjectifs qui se terminent en main. Parce que notre chef de cœur fait vraiment son travail de chef de cœur. Il y a une différence entre être chef de cœur et savoir quoi faire en tant que chef de cœur. Pas seulement porter le titre de chef de cœur et raconter partout qu'on est chef de cœur. Vous voyez un peu? Sans rien faire du tout. Maintenant, regardez. Tout le monde est content. N'êtes-vous pas content? Un grand plaisir pour le chef de cœur, Victus. Un petit plaisir pour le chef de cœur, Victus. Merci. Rectificatif. Il n'est pas le chef de cœur. Oh, il faut lui dire. Lui, il n'est que son assistant. Allez, tais-toi, madame. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Il n'est pas le chef de cœur. Président. Un chef de cœur? Président, il est assistant du chef de cœur. C'est moi qui suis le chef de cœur. Arrête, pardon, laissez. Ce titre qu'on t'a donné, je crois sincèrement que ce titre qu'on t'a attribué te monte à la tête au point de te rendre fou. Chef, c'est quoi un chef? Quand on a un chef, on devait être chef de ce pourquoi on a été appelé. Non pas être appelé chef alors qu'à l'intérieur tu es vide. Voici un chef de cœur que je connais. Et un chef de cœur reste toujours un chef de cœur. Pardon, c'est même pas la raison pour laquelle j'ai pris la parole. Je voudrais que tout le monde m'écoute. Quand vous regardez à ma gauche, vous voyez une très belle demoiselle. Elle, c'est ma nièce. Et elle s'appelle Tima Amanda Oku. Hein? Oku? C'est quoi ton problème? Oku. Désolé. Donc voilà, elle vient d'arriver de la ville pour vivre avec nous. Donc désormais, elle vivra avec nous au village. Je l'ai donc amenée ici pour qu'elle entre dans la chorale. Parce que j'ai constaté qu'elle aime la musique. Donc s'il vous plaît, je veux que tout le monde lui souhaite la bienvenue. C'est notre devoir de faire cela. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et souvenez-vous, tout le monde est un. Onyemou. Car nous sommes tous des enfants de Onyemou. Que Dieu nous bénisse. Chorale, chantons des louanges. Ô Seigneur! Chorale, chantons des louanges. Ô Seigneur! Je suis content. Parce que, depuis qu'on a débuté dans cette chorale, dans cette paroisse, c'est la première fois que notre président CY fait une bonne chose. Mon frère, tu as bien agi en amenant ta nièce pour qu'elle rejoigne la chorale. Ça, c'est une très bonne chose. Tu mérites une ovation. Applaudissons-le tous. On a l'habitude de le faire, en tant que chef de chœur, tu feras une formation vocale. Donc, je vais devoir me charger de ça avec toi pour que je sache où te mettre. Si tu vas chez les sopranos, alto ou ténor. Je ne suis pas d'accord. Excuse-moi. Chef, excuse-moi. J'aimerais que tu me donnes la permission de faire sa formation. Oui, je préfère ça. Bien, Vistus. Au lieu de la première idée... Tu es mon assistant. Je suis le chef de camp. Je décide qui doit être formé ou qui ne doit pas être correct. Formé. Oui. C'est mon devoir. Si je dis que tu formes, tu formes. Si je dis que tu ne formes pas, reste tranquille. C'est clair. Vistus va faire la formation vocale. Oui, je suis d'accord. Bien parlé. Oui. Que Dieu vous bénisse. Pardon. Laissez-moi choisir qui fera ma formation vocale. Te laisser faire quoi? Qu'en sais-tu des répétitions de la chorale? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'on te laisse choisir? Écoute, j'ai choisi quelqu'un et je sais que je pourrais jamais t'induire en erreur. Tu ne connais personne, si c'est le village. Je choisis de prendre la décision maintenant. Oui. Ok, vas-y, choisis donc. Je choisis le chef de chœur. Que je l'amènerai au niveau supérieur. Vas-y, je suis pas d'accord. Écoute, laisse-moi te dire. Je suis pas d'accord. Après avoir formé ta nièce, hein, elle sera la meilleure chantre de cette chorale. Vas-y, t'inquiète surtout pas. Ton élève, tu crois que c'est la formation de l'année? Tu veux former ma nièce? C'est seulement ma nièce que tu as vu pour former? Si tu ne veux pas, elle n'a pas le pas entrer à la chorale. Tu as raison. C'est ça, rien. C'est toi. Écoute, je crois bien former. Tu as raison. Que tu le veuilles ou pas. Oh, ben oui. C'est pas vrai. Nous allons. Chorale, hein. Reprenons. Oh, en sachet.
Désolé. D'accord? Désolé. Ma mère va me tuer. Elle va me tuer, monsieur. Allez. Ma mère va me tuer. Ta maman? Elle va me tuer. Oh, désolé. Elle va me tuer, monsieur. Non. Ma mère va me tuer. Non, désolé. T'en fais pas. Elle va me tuer. Ok, tu vas... Prends ceci. Ça pourra couvrir le manquant. Merci. Ok? C'est merci, bon. Monsieur. Arrête de pleurer. Relève-toi. Ne pleure plus, ok? T'inquiète pas, tu peux maintenant laisser ça, ok? Merci, monsieur. Désolé. Sois forte, ok? À plus tard, d'accord? D'accord, monsieur. Merci. Oh, sachet. Chiwei. Oui, maman. Où est-ce que tu vas? Aux répétitions de la chorale. À cette heure? Les répétitions de la chorale? Depuis quand c'est à cette heure? Maman, on a une compétition de musique. On doit vocaliser nos voix, ensuite les répétitions. Chinwe. Papa. C'est quoi ces vocalises avant les répétitions normales de la chorale? Papa, on prépare nos voix pour chanter le crescendo et le dominando. Maman, je sais que tu es confuse. Attends, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. 1, 2, 3. Vous avez entendu? Ok. C'est le crescendo et le dominando. Chinwe, tu vas me tuer dans cette maison. Crescendo et dominando. Nae, cette histoire ne me fait pas rire. Tu veux dire que tu n'as pas constaté que Chinwe sort d'ici tôt et revient tard sous prétexte des répétitions de la chorale? Chinwe. Papa. Ta mère a raison. Ton attitude a changé dernièrement. Laisse-moi te prévenir. Si tu ne reviens pas ici à l'heure, je vais te faire la peau. Tu m'as bien compris? Oui, papa. Bien. Maman, je m'en vais. J'attends le fin mot de cette histoire. On saura la vérité. Tôt ou tard. Tu es Chukubuka. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Ouais, je vois ça. Et où est-ce que tu vas? Je vais voir une amie à la descente là. Ah, là-bas? Oui. La rue d'en bas? Oui. Ah. Ok, je vais voir mon ami là-bas. Ouais, okay, d'accord. À plus tard. À plus. Modé? Un instant. J'arrive. Ça c'est même quoi ça? Ah. Chinwe Lee. Oh, ma petite fleur. Tu es là. Tu as... Ah bon?
Tu as le cahier de la chorale. Va donc garder ça à l'intérieur. Tu m'as tellement... Je sais, bébé. Hé hey Salmi ah, d'accord. Sol, c'est compris. Sol. Non, non, non. Attends, Modeste. C'est pas seulement Salmi, phare et sol. C'est aussi un... Vistus, quel ah, problème. Donc, tout ce qu'on disait depuis est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ce n'est pas... Ce non, n'est pas, non, ce attends, n'est pas le Modeste, cahier de la Modeste, attends. Je lui enseigne simplement comment chanter le... Modeste, attends. La rumeur est répandue partout. Je me suis dit qu'il faut que je voie de mes propres précieux. Toi, je t'ai vu. Tu m'as dit que tu allais voir ton ami. Tu ignorais que moi, Okene reste Okene. Je t'ai attrapé. Modestus, je vais raconter à tout le monde ce que tu passes ton temps à faire. Hey, ça suffit, c'est bon. C'est quoi? Ok, ok. Ça suffit? Non. Si ouais, ça suffit. Attends, c'est bon, attends. C'est bon, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. Que je me calme? Je suis pas échauffé. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Ce n'est absolument pas ce que tu penses. Hein? Qu'est-ce que je pense? Non. Je pense que vous êtes en train de prier. Vous priez la Vierge Marie. Non, on répète seulement cette... Voilà. Cette... Tu as laissé l'église où se tiennent toujours les répétitions. Et vous deux, vous répétez une chanson dans ta maison. Et vous répétez ça en vous... En vous embrassant. Ok. Je vais raconter tout ça à toute l'église. Au père Daniel. Toussi, calme-toi. Non, on n'a pas arrivé jusque-là. D'accord. Alors, parlons de comment arranger ça. Vas-y. Tu veux qu'on arrange ça? Oui, rapidement. Si tu veux qu'on arrange, il n'y a pas de souci. Arrangeons, c'est pas un problème. Alors, ouais. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Je veux aussi enseigner à Chinwe le genre de chanson que tu lui enseignes. Ah, non, ça, je ne pourrais jamais l'accepter. Ça, ok, d'accord, je suis pas un homme. Non. Attends. Ce que tu aimes, là, je n'aime pas aussi ça. C'est ça? Calme-toi, attends. Ok, je m'en vais. Tu es sûr? J'en suis sûr. J'en ai sûr. Modestus. Tu es mon ami, non? Tu es vraiment sûr? Mais voyons, t'es mon Modestus, ami, Modestus, écoute. Je t'apprécie parce que ton nom, c'est Modestus. Mon nom, c'est Vitus, Vitus. Modestus. Ce sont des noms latins, Tustus. C'est pour cette raison que je me tais parfois. Écoute, si tu ne respectes pas ta promesse, Modestus, si tu ne respectes pas ta promesse, tu vas me détester. Je vais gérer ça d'une façon que tu vas pas Puisque apprécier. Puisque je te dis que je ne vais pas te décevoir. Tu comprends? Je te le promets. On est d'accord? Je te le promets, tu es mon pote. Tu vas retourner là-bas, dis donc, non? Non. Ah! Je pense que je vais d'abord m'asseoir ici, un instant. Do, ré, mi, sol. Ne t'inquiète pas, t'en fais pas, je connais le genre de répétition que tu lui fais faire. Tu me comprends? Écoute, laisse-moi te dire un truc. Respecte la promesse que tu m'as faite. Tu sais, je ne te décevrai pas. Je te l'ai déjà dit mille fois. Je ne te décevrai pas. Tu es mon pote. Hein? Ne t'en fais pas. Modestus, Modestus. Modé. C'est parce que ton nom c'est Modestus. Mon nom c'est Vitus. Tustus. C'est vrai. Tustus. Tu comprends? Je comprends. C'est pourquoi je t'apprécie. On se voit aux répétitions de la chorale. Sans problème, demain. Sans problème. Bye bye. D'accord. Ah. C'est pas vrai. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il cherchait même ici? C'est même quoi ça? Hey, Chinwe! Chinwe de quoi? Elle n'est pas encore rentrée au... Tu veux dire que Chinwe n'est pas encore rentré? Hein? Je te l'avais bien dit. Il est 18h et Chinwe n'est pas encore rentré. Ok. Ne t'en fais pas. Elle finira par revenir dans cette maison. Je vais l'attendre ici. Bonsoir, maman. Madame, le chef de la chorale. Waouh. Sois la bienvenue. Tu es bien rentrée? Enfin, Chinwello. Tu es rentrée. Depuis le matin que tu es partie de cette maison, c'est maintenant que tu rentres. Chinwello, tu me sidères. Continue comme ça.
Maman, il y avait tellement à faire. Est-ce que tu me prends pour une folle? On avait beaucoup à faire. Est-ce que tu étais la seule à avoir beaucoup à faire? Depuis le matin que tu es quittée de cette maison pour tes choses de chorale et tu ne reviens que maintenant et tu me dis « Tu avais beaucoup à faire ». Continue à avoir beaucoup à faire. Je ne te blâme pas. Honte à toi. Honte à toi, espèce de petite menteuse. Ton père demande après toi. Hé, hey, maman, est-ce qu'il est fâché? Tu me demandes à moi? Va à l'intérieur et tu le sauras. Regardez-la. Maman, maman. Donc tu as encore peur? Quand tu mens, il faut assumer les conséquences de tes actes. Un jour, sache qu'on va t'attraper. Madame Coral, tu n'as encore rien vu. Maman, tu es sûre que je n'ai pas entré? Et... Attends toujours, je vais te répondre. Eh bien, je suis en pleine tournée pastorale. Et je viens de commencer. C'est pour ça que je suis chez vous. Merci, donc, mon père. Donc, la première bénédiction vienne chez vous. Parce que ça fait longtemps que je veux vous voir à l'église, mais sans succès. Donc, je suis là pour savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne venez plus comme avant? Mon père, ce n'est pas que nous ne voulons pas. Ce n'est pas que nous ne voulons pas. Nous voulons vous remercier, mon père, pour la visite que vous nous rendez. Et merci, d'être la père. Première famille dans laquelle vous venez. Il n'y a pas de quoi. J'aurais voulu merci, avoir, j'aurais voulu avoir un gros mouton. Comme ça, je l'aurais mis dans votre voiture. Mais un jour, Dieu pourvoira pour ça. Mon père, s'il vous plaît, ne vous sentez pas offensé, mais j'aimerais vous poser cette question. Mon père, êtes-vous au courant que les répétitions de la chorale commencent dans l'après-midi à 14h pour se terminer à 22h le soir? Hein? 14h oui, à 22h tard dans la nuit. Ou encore de 10h jusqu'à 18h. Êtes-vous au courant de ces pratiques, mon père? C'est vrai que je suis au courant de ces répétitions oui. que mes chorales font à la paroisse à cause de la prochaine compétition qui aura lieu. Et les anciens... Et les anciens sont au courant de ça. C'est approuvé. Mais je suis vraiment confus d'entendre de 14h à 22h de la nuit. Dans les locaux de ma paroisse. Je ne savais pas, je sais à quelle heure je demande au gardien de fermer le portail. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je vais enquêter. Vous savez, les jeunes de nos jours... Mon père sait tout ça. Voilà notre problème. C'est parce terrible. Que ma fille sort et elle rentre. Vraiment très tard, hein? Parce que dit-elle, elle va à la chorale. Non, c'est pas vrai. Mais bon, patientez un peu. Je vais vérifier cela au travers de leur chef. Mon père, merci beaucoup pour les explications. Oui. Merci, mon père. Il n'y a pas de quoi. D'accord, prie. Oui, mon père. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon père. Bonsoir, frère Festus. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, oui, mon fils. Désolé, tu sais, je suis toujours occupé d'aller d'un endroit à un autre.
C'est quoi les vocalises en prose? D'accord. C'est bon, j'ai compris. Merci pour l'information. Je parlerai avec la chorale bientôt. Merci. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au revoir. J'ai tout. Mettons ça ici, hein? Tiens ça. On y va. Par contre, ici, c'est notre agent aussi. Ah! Qui est là? Pardon, viens. Donne-nous deux bières bien fraîches. Ok. Tout ça. L'argent. Le goût c'est de l'argent. C'est vraiment beaucoup. Profitons de notre agent. Merci. Oui, c'est ça. Nous avons beaucoup d'argent. Courage, chantons des louanges. Oh Seigneur. Courage, chantons des louanges. Oh Seigneur. Courage, chantons des louanges. Oh Seigneur. J'aimerais tous vous remercier d'être venus. Ce n'est pas facile. Tout le monde est occupé. Mais à l'instant, vous avez appris qu'il y avait réunion. Vous avez répondu présent. Soyez les bienvenus. Comme vous le constatez, le prêtre de notre chorale est parmi nous. Il a un sujet très crucial à discuter avec nous. Donc je veux que nous le prêtions une oreille attentive. À partir de maintenant. Merci. Bienvenue, mon père. Mon père, bienvenue. Mon père, bienvenue. Loué soit Jésus. Alléluia. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier chacun d'entre vous pour vos efforts et sacrifices pour la croissance de l'Église. On entend beaucoup, beaucoup d'histoires au sujet de la chorale de cette paroisse. Donc, je veux que vous vous concertiez et choisissiez une date pour une réunion générale, pour qu'on s'asseye ensemble et discutions. Merci beaucoup, mon père. Courage, entend des louanges. Oh, Seigneur. Vous l'avez entendu de sa propre bouche. Je veux que tout le monde soit préparé. Rentrez et faites des recherches. Je veux que chacun fasse une introspection. Je vous invite à observer vos vies. Examinez vos vies en profondeur et apportez des résultats ce jour-là. Je vous promets de venir ce jour-là avec vos résultats. Ramenez-les en gros. Je dis bien en gros. C'est pour cela que le prêtre est là. Notre prêtre a dit que nous aurons une réunion générale qui concernera tous les membres de la chorale pour qu'on vienne discuter de comment est-ce qu'on peut évoluer.
Il y a déjà suffisamment de rumeurs concernant la chorale. Honnêtement, il faudrait qu'on arrête tout ça. Mon père, merci une fois de plus d'être venu nous parler. Mais toutes ces choses que les gens disent sur nous, elles sont bien ou en mal? Mais c'est quel genre de stupide question? Très bonne question. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Notre père vient de dire que les gens parlent mal de nous. Doit-il d'abord dire que c'est bien avant qu'on sache que c'est mauvais? Mon père, hein, écoutez, ce que je veux dire, c'est sur ce que les gens disent. Ont-ils pointé quelqu'un du doigt ou ont-ils mentionné le nom d'une tierce personne? Oui, bien sûr. Ils ont cité des noms. Les noms de ceux. Les noms de ceux qui se comportent mal parmi nous. Calme-toi. Pardon, mon père. Que je me calme. Oui. D'accord. Le plus important, ce n'est pas, vous voyez, de citer des noms. Ce qui importe, c'est que on a appris que quelque chose ne va pas. Ne va pas chez vous. Donc, ce qui va se passer, c'est que le jour de notre réunion générale, nous serons tous ici. Je serai présent à cette réunion. Le jour de notre réunion générale, je promets d'être avec vous. Et je promets aussi que je ne laisserai rien passer. Mais le fait demeure que ce que les gens disent des choristes est mauvais. Pardon, mon père. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils disent qu'on a fait? Oui. On veut tous savoir ce qu'on a fait, pas vrai? Hein? Comment peut-on dire à quelqu'un qu'il est mauvais sans lui dire ce qu'il a fait? Exactement, hein? Dites-nous ce qu'on a fait. C'est aussi simple que ça. Mon père, je pense qu'elle a raison. Oui, parce que on ne peut pas dire que quelqu'un est mauvais sans nous dire ce que il ou elle a fait. Oh. On dit qu'on est mauvais, on doit nous dire ce qu'on a fait et qui parmi nous l'a fait. Merci. Ok, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand l'un d'entre vous est mauvais, automatiquement, vous tous, vous êtes mauvais. Oui, c'est le prêtre de la paroisse. Il a dit comme cela est censé être. Attendons simplement la réunion générale pour parler de tout cela. Prenez votre mal en patience. On veut tout savoir, mais j'ai délibérément manqué les répétitions de la chorale aujourd'hui. Comment père Daniel a-t-il pu donner la chanson de la compétition à CY? Comment peux-tu dire ça? Mais c'est père Daniel qui m'a dit lui-même que je devrais tolérer l'attitude de CY et m'assurer de très bien enseigner la chorale. Alors pour quelle autre raison, hein? Si Wai est le président, que sait-il de la musique? Hein? Si Wai est le président, il est le... Et je suis le modérateur de la chorale, le chef de la chorale. Hein? Je suis le tout-puissant de cette chorale. En tant que président, il est chargé des affaires administratives. Et les autres choses concernant la chorale sont à ma charge. Comment ça, Vistus aussi est mon assistant? N'est-ce pas quand je lui en donne la permission? C'est moi en tant que chef de chœur qui dois dire « Ok, toi, fais ci ». Toi, fais ça pour qu'il le fasse. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Dans cette chorale, c'est moi qui suis le tout-puissant. L'alpha est aussi l'oméga. Hein? En fait, laisse-moi te dire ceci. Tu ne connais pas le pédigré de qui je suis dans la chorale. Ah, c'est parce que tu viens chez moi tous les jours et tu es ma... Tu sais... Allez, viens ici. Quand tu viens ici, je sais exactement ce que tu viens faire. Laisse-moi voir ta face. Ça se voit très clairement dans tes yeux. Allons-y. Allez, entrons. Allons à l'intérieur. Allez, maintenant allons à l'intérieur pour que je te montre exactement qui je suis. Tu vas voir exactement qui je suis. Ce que c'est que le chant exactement. Hé, hey, arrête-toi! Arrête-toi! J'étais en train d'aller chez toi. La maison de qui? Espèce de petite idiote. J'étais en route pour aller chez toi. Pour faire quoi? Je venais te demander si tu étais solière avant de venir aux répétitions de la chorale. Je venais aussi chez toi pour savoir si tu avais perdu la tête à cause de ce petit rat.
Donc, on en est déjà là? Oui. Donc tu contrôles désormais ma vie? Donc si je te comprends bien maintenant, tu veux me dire comment vivre ma vie? Et comment ne pas vivre ma vie, c'est bien ça? Oui. Tu veux me dire comment vivre ma vie? Et comment ne pas la vivre? Hein? Tu es obligé de me suivre partout. Tu veux me penser à faire ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Si ouais, je ne te comprends plus du tout. Pourquoi agis-tu ainsi à cause de ce petit rat? Siwai, tu sais combien je t'aime, hein? Elle t'a envoûté? Eh oui! Elle m'a envoûté. Je suis sous son contrôle. Sa famille m'a déjà mangé. En fait, je suis sa raison de vivre. Hey! Je ne peux pas vivre sans elle, je l'aime à mourir. Il n'y a rien que personne ne puisse faire contre ça. Il n'y a vraiment rien que personne ne puisse faire contre ça. Et pour ton information, laisse-moi te dire ceci. Je vais épouser cette fille, que tu le veuilles ou non. Pardon? Eh oui, confirmé, scellé, lissue mes lèvres. Tu devras me passer sur le corps. Je le jure au nom de Dieu. Tu dois d'abord me tuer. Oh, c'est ce que tu dis? Tu t'entraînes juste à comment tu vas mourir. En fait, il est préférable que tu commences à planifier ton enterrement. Parce que quand tu ne le sais pas, personne ne versera une larme pour toi. Si personne ouais. ne va pleurer pour toi, va te reposer. Évidemment, tu ne nous coûteras absolument rien du tout. La seule chose que tu nous coûteras, c'est juste 4 planches de bois. Voilà, c'est tout. On coule les bêtises, le cercueil est prêt. Ensuite, on aura juste qu'à t'enterrer. Nous, les membres de la chorale, on va juste s'aligner devant ton cercueil. Ou disons les 4 planches, parce que ça ne sera pas grand-chose. Je te le promets, c'est la seule chose que je ferai. Tu vois, comme je te le disais tantôt, on va s'aligner devant ton cercueil et je vais chanter. On t'enterre, ce sera tout. Si, ouais. On t'enterre, ce sera tout. Nous serons 5. 2 devant, 2 derrière, et moi je serai là, en train de chanter devant pour diriger le cortège. Et c'est comme ça qu'on va t'enterrer, espèce d'idiote, crois-moi. Si, ouais. Donc tu n'éprouves aucun amour moi, pour moi? T'aimer? Tu ne m'aimes pas. J'ai perdu la tête? Si, ouais, tu me brises le cœur. Si, ouais, tu me brises le cœur. Dieu va te punir. Hey. 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 Quel idiote! Et mais regardez-moi ça! Une femme a pris la peine d'entrer en salle d'accouchement pour accoucher cette chose! Une pote quoi? Tu me suis partout, mais c'est quelle pote quoi ça? On se marie pas à force? Attends, dis-moi, tu veux obliger tous les hommes de ce village à t'épouser? Espèce d'idiote! Je ne te blâme pas! Je me blâme moi d'être descendu aussi bas! Pour m'être autant rabaissé! Tout ça parce qu'on est dans le même choral. N'oublie pas que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Sache-le. N'importe quoi. Une vraie sensu, cette fille. Chorale, chantons des louanges. Ô Seigneur. Chorale, chantons des louanges. Ô Seigneur. Hé, hey, c'est pas vrai. Tu viens d'arriver et tu ne t'es même pas présenté. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Tu parles de moi? Oui, c'est à toi que je parle. Je suis venu chanter. Hein? Tu es juste venu chanter ou tu es venu entrer à la chorale? Lequel okay, des d'accord, deux? D'accord, d'accord. Je suis venu entrer à la chorale. Tu ne peux pas entrer à la chorale. Mon ami, tu ne peux pas entrer à la chorale en ce qui me concerne. La chorale n'est pas la couche du roi Péton, en fait, il n'y a plus de place. On ne recrute plus de choristes. C'est saturé partout, il n'y a même plus de place pour l'air. Il va entrer. On n'a pas demandé ton avis. Il va entrer. Pourquoi ne peut-il pas entrer à la chorale? Hein? Tout juste hier, tu as laissé cette fille entrer à la chorale. Aujourd'hui, tu lui dis qu'il ne peut pas entrer à la chorale. Pourquoi? Écoute, ça veut dire quoi? Parce que nous manquons de voix ténor. Hey! Et un sens ténor. Si ce n'est que ça, il peut chanter en ténor. Oui, je peux chanter la basse. Voilà. Regardez sa face. Il peut chanter arrêtez, la basse. Arrêtez, ça se voit arrêtez, sur sa face. Calmez-vous. Chorale, chantons des louanges. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Si, why?
Tu dois véritablement connaître ton rôle dans cette chorale. Merci, chef de chœur. Hein? L'autre jour encore, tu l'as admise, elle. Hein? Tu n'as pas le droit de dire qui reste et qui part. Voilà. Je suis le chef de chœur. Modestus, espèce de traître. Judastus, tu mens. Je suis le président de cette chorale et j'ai tous les droits d'admettre ou de ne pas admettre quelqu'un. Tu ne me dis pas quoi faire. Modestus, écoute-le, il est le président. Quel genre de président? D'accord, il n'y a pas de problème. On va passer un bruit, il peut entrer dans la chorale. Pas de problème, je vous le dis, bientôt, même les fous on va te mettre dans cette chorale, ça je vous le dis, croyez-moi. Ça peut me faire confiance. Les fous viendront. Brésil, mais tu ne changes pas. Brésil, c'est quoi ça? Tu amènes des troupes dans cette chorale. Non, tu chantes. Tu es malade. Je suis le président de cette chorale. Je suis le chef de chœur. Personne va chanter. Calme-toi, s'il te plaît. On va tout gâter. Écoute, c'est toi le président, mais calme-toi quand même. D'accord, c'est bon. Il ne part pas. Il reste. Calme-toi, s'il te plaît. Il ne part pas. Il va rester. Calme-toi. Il reste. On t'a compris. Que j'entende, Pim. Assieds-toi. Tu mets au défi. Que j'entende quelqu'un chanter. On va chanter. Je suis le président de cette chorale. On va chanter. Et de ne pas mettre qui je veux. Assois-toi. Arrête de dire des bêtises. C'est toi qui raconte des bêtises. Arrête de dire des bêtises. Il n'a même pas commencé à chanter. Maintenant, il me défie, moi. Le président de la chorale. Ah, je vais lui montrer qui je suis. Assieds-toi. Je vais lui montrer qui je suis dans cette chorale. C'est ce qu'on va voir. Vas-y, chante alors. Vas-y, chante que je vois. Vas-y, chante. Je vais te montrer qui je suis. Ma beauté. je ne savais pas que tu viendrais à la maison. Tu vois, quand je te faisais des signes, c'était comme si tu ne me regardais même pas. Hein? Mais l'autre jour, je t'ai vu faire la même chose à Chinwe. Non. Oublie un peu Chinwe. Chinwe était juste déconcentré. Et en tant que chef de chœur, je devais la réveiller. Je me disais, regarde, tu es très déconcentré là. Okay. Supposons un peu que c'était mon ami Sam qui n'était pas attentif. Je l'aurais pointé du doigt et je lui dirais, Sam, regarde-moi dans les yeux, tu es déconcentré là. Oui, hein? Mais je remercie Dieu car quand j'ai dit, on y est, regarde-moi. 15h, chez moi, tu as compris? Et c'est pour ça que tu es ici. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Tu es très belle, bébé. Et tu vas encore plus me manquer. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Maintenant la suite. C'est bon. Modestus, j'ai honte de toi. Pourquoi, grande sœur? Modestus. Grande sœur. Que faites-vous là? Ok, on fait des vocalises. Le prêtre de notre paroisse a dit que je dois faire des vocalises à toutes les filles de notre chorale. Pour qu'elles soient les meilleures. Dans cette maison. N'importe où. C'est une église catholique ici ou quoi? Ah, grande sœur. Pourquoi ne vas-tu pas à l'église Sainte-Marie pour les former? Pourquoi ne les formes-tu pas dans la maison du prêtre? Et toi, jeune fille? Ma? Va-t'en d'ici. Pour ton information, ici ce n'est pas l'église catholique Sainte-Marie. J'ai compris, ma. Vous pouvez faire votre chorale ou vos répétitions, ou tout ce que vous voulez répéter à l'église et non ici. Je ne veux plus jamais te revoir ici. Allez, pars d'ici maintenant avant que je ne me fâche. Grande sœur. J'ai vraiment honte de toi. Grande sœur, arrête ça. J'ai honte de toi. Hein, qu'est-ce que ça signifie, ça? Pourquoi la chasses-tu d'ici? Je ne faisais que des vocalises. Notre prêtre a demandé que je le fasse. Je ne suis pas contre ça. Va donc les former dans la maison du prêtre et non ici. Je suis libre de faire les vocalises où je veux. Même en brosse, même aux toilettes, même dans la chambre. N'importe où, je peux les faire les vocalises. Où est ton problème? Mon seul problème dans tout ça, c'est que tu n'enceintes pas toutes ces filles. Dieu m'en garde. Le feu du Saint-Esprit. Écoute, grande sœur, ne me souhaite pas ce genre de choses. Est-ce que quand tu me regardes, moi, je peux faire des choses comme ça? C'est quelque chose de spirituel. Choisis-toi une fille. Abomination. Et arrête de faire ces bêtises dans cette maison. Donc tu me conseilles maintenant d'avoir une petite amie? Un chef de cœur comme moi? Je ne peux pas avoir une petite amie. Un puceau comme moi. Non, je ne peux pas faire ça. Oni? Modé, regarde-moi s'il te plaît. Tu es encore fâché? Oui, encore un peu. Mon frère, je veux le meilleur pour toi. Toutes ces nombreuses filles que tu amènes, je veux que tu en choisisses une. Choisis une fille et épouse-la.
Demain, une fille vient et après-demain, c'est une autre qui vient. Ce n'est pas bien. Les voisins regardent. Tu sais que j'ai promis à nos défunts parents que je prendrai soin de toi. Et c'est pour ça que je ne me suis pas mariée jusqu'à présent. Pas parce que les hommes ne me courtisent pas. Ils me courtisent et tu le sais. Comment puis-je être heureuse vivant ailleurs alors que tu n'es pas encore casée? Je ne te gronde pas, mais je veux le meilleur pour toi, mon frère. Écoute. Grande sœur, toutes ces filles que tu vois venir ici, je ne fais absolument rien avec elles. Je ne fais que des séances de vocalise avec elles. C'est parce que je les forme dans le domiendo, l'innuendo et le crescendo. C'est pour ça qu'on est proches. Je ne fais absolument rien avec elles. Je sais. Je sais que ce ne sont que les vocalises que tu fais avec elles. Mais maintenant, je veux que tu te maries. Je veux déjà que tu te cases et que tu rendes nos parents fiers. Tu as compris? Comme tu ne cesses de me harceler, de me marier tout le temps, tu as choisi une fille pour moi? Oui, frérot. Qui? La dernière fille qui est venue ici avant-hier. C'était quoi son nom déjà? Je ne sais pas si c'est celle que tu appelles Amanda ou Chiwe, je ne sais pas. Tu veux parler d'Amanda, la nièce de Siwai? Oui, oui. Celle-là vient d'une bonne famille. Je veux que tu te maries avec elle, s'il te plaît. Grande sœur, tu sais qu'Amanda sort tout droit de la ville. Elle pourrait avoir entre 10 et 15 petits amis en ville. Une fille claire de la ville comme ça, comment puis-je l'épouser? Mon frère, je veux que tu te maries avec elle. Et même si elle a 20 ou 100 petits amis, ceux-là font partie de son passé. Je veux que tu te maries avec elle et rende notre famille fière. Tu le feras. Grande sœur. Je vais y réfléchir. D'accord. Mon cher, fais-le et rends la famille fière. Je ferai de mon mieux. D'accord. Livina, la plus belle des vice-présidentes de la chorale. Pourquoi cries-tu mon nom? Attends, t'es pas la vice-présidente? Même si je suis la vice-présidente, c'est pour ça que tu dois crier mon nom comme si tu devenais fou? Ça va, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je savais pas que tu étais énervé quand je criais ton nom. En fait, j'étais en train d'aller chez toi, heureusement que je t'ai rencontré ici, ouais. Tu venais chez moi faire quoi? Vétios. Comme tu peux le voir, je suis bien habillé comme quelqu'un qui va rendre visite à son petit cœur. Je t'ai déjà averti et je t'avertis encore. Reste loin de moi. Vétios, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas de ta classe. Je ne suis pas ton genre. Va chercher ton genre. Tu as compris? Lina, je ne me plaisante pas. Chaque fois que tu dis que je te dérange, c'est pas comme si je blague. Je t'aime et je vais t'épouser. Tu ne sais pas de qui tu es amoureux. Tu aimes qui? Viens ici. De qui es-tu amoureux? Nettoie ta bouche. Crache vite. Lévina, laisse crache mes vite. Crachats tranquilles. Pour te prouver que je suis très sérieux, laisse mes crachats tranquilles. Tu es stupide. Tu es trop stupide. Tu es fou. Reste loin de moi. Reste loin de moi. Je ne t'aime pas. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Reste loin de moi. Lévina, je suis très sérieux. Tu n'es pas sérieux. Lévina, je te supplie maintenant, tu joues la dure. Mais je ne suis pas pauvre. Laisse-moi te dire, je suis pauvre pour le moment, mais quand je vais percer, quand je vais réussir dans la vie, tu seras celle qui va me supplier. Lévina, tu vas me supplier. Oh, il n'y a pas de problème, tu préfères t'enfuir. J'allais chez toi et je ne sais pas si ta mère est là. D'ailleurs, je m'en vais. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va dans les aigus. Maintenant. Tu as capté?
J'espère que tu aimais les répétitions de la chorale d'aujourd'hui. C'était vraiment très chouette. La plupart des choristes chantent bien. Je sais. C'est toujours comme ça, tu sais. C'est... Bonsoir. Bonsoir. Bébé, comment tu vas? Je vais très bien, bonsoir. Je peux vous déposer tous les deux? Ne te dérange pas. On a l'habitude de marcher. Tout comme fait, on connaît le chemin de la maison. Nous habitons juste là. Et donc nous voulons juste faire un peu de sport. Tu vois? Je ne veux pas marcher. Oh non. Oui. Bon, on y va. Cette voiture est vraiment très jolie. Tu l'aimes bien? Oui. Je l'ai achetée à l'étranger. Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger? Oui, je viens de rentrer de l'étranger. Waouh. S'il te plaît, mon frère, dis-moi, peux-tu nous déposer ici, on peut te retrouver. S'il te plaît, cette conversation devient autre chose. Je n'aime pas la tenue qu'elle prend. Je n'ai confiance en personne. Donc, je t'en prie, garde ta voiture, je vais descendre. Monsieur, je ne fais rien de mal, ok? Tu ne fais rien de mal? Et tu dis tout ce que tu racontes là? Tu racontes comment tu es rentré de l'étranger, comment tu as traversé l'océan. Ça veut dire quoi ça? Tu me prends pour un fou? Arrête ta voiture et laisse-moi descendre. Je pense que je vais d'abord te déposer avant d'aller la déposer. Quoi? Tu vas faire quoi? Tu devrais me passer sur le corps. Oh! Maintenant tu as montré ta vraie nature. Tu me déposes d'abord, puis ensuite tu iras la déposer. Pour que vous restiez tous les deux seuls. C'est bien ça mon ami? Le chasseur a ramassé un caillou et l'oiseau l'a vu. Lisse mes lèvres. Tu vas d'abord la déposer. Question de me rassurer qu'elle est sauve avant d'aller me déposer. Attends, tu te crois trop sage? L'idéal serait qu'il te dépose d'abord avant moi. Pardon? Qu'il me dépose d'abord? Oui. Ensuite, toi? Ne t'en fais pas. Je ne lui ferai pas de mal. Je vais d'abord te déposer avant elle, ok? Ah ouais? Je veux plus être dans cette voiture. S'il te plaît, gare, laisse-moi descendre. Dépose-moi. Stop. Madame, qui me dépose d'abord? Est-ce que tu me comprends? Ensuite, qui l'a te déposé? N'importe quoi. Ne t'inquiète pas pour moi. Pars. Ah ah. Je vais te déposer chez toi, ok? Mais avant, est-ce qu'on peut aller quelque part y causer? Et prendre genre un ou deux verres? Que Dieu m'en préserve! Je refuse! D'accord, je vais te déposer. Hein? Ok.
Chimwendo. Chimwendo. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu dors à cette heure de la journée? Où est ta mère? Nai, bonsoir. Tu es de retour? Qui est-il? Pourquoi est-ce que Chingwe dort si profondément à cette heure de la journée? Hein? Tu n'as pas répétition de ta chorale aujourd'hui? Chiwendo. Tu ne partiras pas? Pourquoi? Fais voir. Chiwe, lève-toi. Lève-toi. Tourne. Chiwendo. C'est quand la dernière fois que tu as vu tes règles? Chiwendo. Ne me prends pas pour une idiote. Ne me prends pas pour une idiote. Je suis à l'intérieur. Hé, laisse-moi te dire. Est-ce que tu sais que Chinwe s'est évanouie en répétition de la chorale? Chinwe? La fille-là s'est évanouie? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas tout. Le docteur a confirmé qu'elle est enceinte. De qui? Je ne sais pas. Mais je savais que toutes ces répétitions avec chef de chœur allaient finir comme ça. Tu vois? Moindre chose, la chef de chœur. Bon travail. Si on l'appelle choriste, elle répond oui. Choriste, venez. Oui. Maintenant, regarde. Je savais que ça allait finir comme ça. Je te dis. Ma sœur, s'il te plaît, partons d'ici. J'ai rendu nos vies. Nai, où es-tu? Je dois te parler. Je suis par ici. Je voudrais finir ce travail avant que la pluie ne commence. Que veux-tu me dire? Je suis un peu occupé. Nayo! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Nay. Oui? On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Nay, c'est Chinwe. Chinwe? Chinwe est enceinte. Dis-moi que tu plaisantes. Je ne blague pas avec ça. J'ai dit, Chinwe est enceinte. Tu veux dire que Chinwe, ma fille, est enceinte? Hein? Ma propre fille? Ta précieuse fille est enceinte. J'étais au marché. On m'a appelé que Chinwe s'est évanouie et a été emmenée à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, le docteur m'a dit, « Félicitations, madame. Vous allez bientôt être grand-mère. Votre fille est enceinte. » Non. Voilà ce qui s'est passé. Non. Chinwe, ma fille, ne peut pas être enceinte. Et si c'est le cas, la personne qui en est l'auteur, je vais lui trancher la gorge. Je vais tuer cette personne. Oui. Nai, calme-toi. Je vais tuer cette personne. La répétition, là. Voilà les résultats. Je l'avais bien dit.
Sondé. Evelyne. Sondé. Donc c'est ici que tu te caches depuis tout ce temps. Et je te cherche partout dans le village. Donc tu es ici carrément avec cette fille. En train de lui raconter je sais quoi. N'est-ce pas? Le pauvre. Et pourquoi tu me cherches? Je te dois quelque chose? Bien sûr que tu me dois. Sonny Chaco ou peu importe, Sonny Charbon. Tu me dois. Qu'est-ce que je te dois? Je t'avertis. Je t'avertis de rester loin de cette fille. Car elle est ma fiancée. Elle m'appartient. Alors parce que tu as de l'argent, tu penses que tout doit te courir après? Ne t'ai-je pas prévenu? Et si je ne la laisse pas? Que feras-tu, espèce de sale singe? Moi? Moi le grand Siwai? Un sale singe? C'est ce que tu es. Tu me traites de sale singe? C'est ce que tu es. Que vas-tu me faire? Attends, dis-moi alors, parce que tu as la chance d'avoir de riches matériaux? Et tu penses que tu es, disons, arrivé au sommet de la montagne? Tu sais, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, monsieur, si tu ne laisses pas cette fille tranquille, elle m'appartient. Quant à toi, tu es aveuglé. Tu es cupide, opportuniste. Fille facile. Tu es vraiment facile. Dès que tu as vu une petite voiture, tu t'es mise à courir comme une petite chienne. Attention à la façon dont tu parles à ma femme. Pardon? Qui est ta femme? Si tu oses encore l'appeler ta femme, tu ne vas pas apprécier ce que va te faire ici et maintenant. Comment quoi? Oses-tu? Est-ce parce que je reste tranquille? Que peux-tu faire? Qu'est-ce que je peux faire? Oui, que peux-tu faire? C'est une très bonne question. Je vais te répondre très bientôt. Écoute, Sonny Jacopa ou Sonny Bukata, peu importe ton nom. Tu penses que tu peux débarquer de peu importe de là où tu viens? Et parmi toutes les filles de ce village, tu veux me dire que tu n'as vu personne d'autre que cette fille avec laquelle tu peux traîner, c'est ça? Parce que tu as une misérable petite voiture. Un véritable tas de ferraille. Donc c'est ton terminus, ça? Un gars riche comme toi. Un gars riche comme toi. Tu n'as pas honte? C'est tout ce que tu as. Qu'est-il arrivé à ton château? Je croyais que tu te clamais partout avoir un château. Tu as construit un château à Okodigi, à Ofodigi. Et ici, où tu sont sais, tes châteaux? Tu souffres de diarrhée verbale. Tu es là, tu bavardes énormément. Ah bon? Oui, mais je veux m'occuper de toi. J'ai rencontré ton jar plusieurs fois et je veux m'occuper de toi. Pour que tu saches que personne ne s'attaque à moi et reste le même. Pas même toi, ni personne dans ce village. Oui, je suis revenu et je suis plus que prêt. Oui, attends sur la façon dont tu me parles et à ma femme. Parce que je n'ai plus toléré ça une autre fois. Désolé de te couper là. Qui est ta femme? Écoute. Espèce de petit débile gandé. Écoute, j'en ai marre de t'écouter. Oui, va gagner de l'argent et arrête de faire du bruit. Va gagner de l'argent et arrête de faire du bruit. Tu sais seulement faire du bruit. Donc, oui. Dans ton esprit, tu es devenu riche? Oui. Parce que tu as eu assez de chance d'avoir volé les biens d'autrui. Maintenant, tu te pavanes partout comme un riche. Tu te pavanes partout comme un chien. Avec ton vieux machin blanc que tu traînes au cou. Mon ami, ça c'est le duvet. Ça c'est le duvet. Pour le béret, j'ai mis des bérets. J'ai mis des bérets durant tout mon secondaire à Ibukaya. Et il n'y a rien que tu puisses me faire. Et je te préviens, j'ai regardé Prison Break. J'ai regardé Prison Break de la saison 1 à la saison 10. Ce n'est pas la danse des villageois. Maintenant, c'est la danse des citadins. Oui, je ne danse pas au même niveau que toi. Ce que je danse, c'est pour les citadins. Shaku Shaku. Oui, ce que je vais te faire, c'est du Shaku Shaku, pas la danse du village. Pas celle du village. Ce que je danse, c'est pour la ville. Le Shaku Shaku. Oui. Personne ne se frotte à moi et reste le même. Attention à la façon dont tu me parles et à ma femme. Je te préviens pour la dernière fois. Fais attention à tes paroles. Chérie, entre dans la voiture, on y va. Elle ne va nulle part. Reste là, j'aime pas fini de parler. Je constate que tu es infecté par le coronavirus. Je m'en fiche de toi. Mais ne t'en fais pas. Tu vas danser à mon rythme. Il est mieux d'être riche avec le coronavirus que d'être pauvre avec la diarrhée verbale. Oui, cesse de faire du bruit et va chercher de l'argent. Bon, maintenant, chérie, entre dans la voiture, on y va. Ciao. Tu me nagues, pas vrai?
Écoute, on verra qui rira le dernier. Profitez-en bien tant que vous le pouvez parce que je connais la fin. Oui, profitez bien parce qu'on va, même pas perdre notre temps. Je te tiens dans ma main comme ça. Ne t'en fais pas. Pars. Shinwei, s'il te plaît, je veux savoir. Tu peux nous dire ce qui t'est arrivé aux répétitions? Et qu'est-ce que le docteur a dit que c'était? Que veux-tu dire par « je suis fini » ? Tu ne cesses de dire la même chose. Tu es fini, tu es confuse. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que le docteur a dit ? Sainte Anne ! Shinwei, hein ? Comment as-tu pu te laisser tomber enceinte aussi facilement? En tout cas, tu dois avorter ce bébé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ta mère est déjà au courant de ça? C'est pas vrai. Tu lui as dit qui est le responsable de la grossesse? Écoute, hein, voici ce qu'on va faire. Hein? Pendant votre réunion, écoute, ne leur dis rien du tout. Parce que si tu le leur dis, ton père te chassera probablement de la maison. Et je ne veux surtout pas embarrasser ma sœur pour l'instant. Ne dis surtout pas mon nom. Dis-leur juste que la personne qui est l'auteur de cette grossesse viendra ce week-end. Ah, c'est ma sœur, non? Je vais essayer de le lui dire. Hein? Elle sera même peut-être très contente. Hein? Ma chérie, tu n'as pas à être confuse. Hein? Je serai là pour toi. Je serai là pour toi. Mais n'oublie pas ce que je viens de te dire. Ne dis surtout pas mon nom. Je viendrai ce week-end. Shinwei, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu te réveilles? Ou alors tu voudrais d'abord que je te torture? Shinwei! Es-tu sourde? Le diable a fermé ta bouche, ne peux-tu plus parler? Qui t'a mise enceinte, Chiwendo? Parle! Au lieu de je vais parler. Qui a dit qu'il viendra ce week-end? D'ailleurs, on ne t'a pas demandé la personne qui viendra ce week-end. On te demande qui t'a mise enceinte, Chiwendo. Voilà la question qu'on te pose. Maman Chiwendo, attends. Shinwei, tu ne veux vraiment pas nous dire qui t'a mise enceinte? Ou alors tu voudrais voir mon autre côté sombre? Hein, Shinwei? Hein, Shinwei? Nai, doucement, calme-toi. Laisse-moi faire, la violence ne marchera pas. Hein? Chiwendo, pour la dernière fois, qui t'a mise enceinte? Modestus. Ton chef de cœur? Hey! Chiwendo m'a tué. Tu mens. Je me sens que je vais te... Je vais te faire la peau. Je vais te faire la peau. Hein, Chiwendo? Pourquoi, Chiwendo? Tu as osé laisser Modestus te mettre enceinte? Hey! Modestus nous a tués, Modestus. C'est pas vrai, c'est pas possible. Modestus, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Je vais bien. Ça va.
Non, tu ne vas pas bien. Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Hein? Na, dis-moi, quel est le problème? Il n'y en a aucun, grande sœur. Je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas de problème. Comme tu peux le voir, je vais bien. Je vais bien. Tu en es sûr? Bien sûr, grande sœur. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème? J'en suis sûr. Ok, si tu le dis. Bon, je reviens. Grande sœur. Na. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc que je il y a un truc que je veux te dire. Oui, parle. Qu'est-ce que c'est? Tu connais la fille qui vient ici pour les vocalises? Elles sont très nombreuses, non? Laquelle d'entre elles? C'est de laquelle dont tu parles? Allons, grande sœur, celle qui a l'habitude de venir ici. Tu parles de celle qui s'appelle Chiwe ou quoi? Exactement, c'est Chingwe. Et alors, qu'est-ce qu'elle a? Grande sœur, cette stupide fille veut me mettre absolument dans les problèmes. Comment? Cette fille-là veut vraiment me mettre dans les problèmes. Comment? Que s'est-il passé? Grande sœur, est-ce que tu t'imagines? Elle est allée raconter à ses parents que je l'ai enceintée. Que tu as fait quoi? Modestus. Hein? Modé. Donc tu as finalement enceinté cette fille? Modestus! Modestus! Hé! Hey, Chineke! Grande sœur, pourquoi est-ce que tu me crées dessus? Tu réagis exactement là comme si c'est moi qui l'avais vraiment mise enceinte. Non, c'est moi! Elle veut simplement me coller ça sur le dos. Ferme ta bouche! Stupide garçon! Coureur de jupons! Quand je te prévenais, tu refusais de m'écouter. Maintenant, regarde dans quel pétrin tu t'es mis. Modestus! Tu me déçois franchement. Espèce d'imbécile! Tu veux apporter la honte dans cette famille, c'est ça? Grande sœur, au lieu que tu me soutiennes, tu es là à crier Modestus, Modestus. Te soutenir comment? Te soutenir pour enceinter une fille sans le faire de la bonne façon? Te soutenir comment, Modestus? J'ai honte de toi. Tu me fais honte. Modestus. Modestus, tu dois l'épouser. Que tu le veuilles ou pas, Modestus, tu vas l'épouser. Grande sœur, laisse-moi te dire un truc. Jamais je n'épouserai des toilettes publiques. Hein? Jamais. Ce puits dans lequel tout le monde va uriner, tu ne veux quand même pas que je l'épouse. Je ne l'épouserai pas. Donc maintenant, elle est toilette publique. Quand tu passais ton temps à la culbuter dans la chambre, dans les toilettes, à l'église, tu ne savais pas qu'elle est toilette publique? Modestus, on verra. Tu vas l'épouser. Écoute, l'autre fille là, Amanda, est même encore mieux qu'elle. Tout le temps, dès qu'on la touche seulement un peu, elle écarte les cuisses comme si, je ne sais même pas. On touche une fille, elle écarte les cuisses. Hein? Je ne voulais même pas faire ça. Je l'ai juste touchée et elle a fait comme ça. Quand j'ai vu le trou, alors je suis juste entré. Maintenant, elle me dit qu'elle est enceinte. Je ne l'épouserai pas. Dieu m'en garde. Il faudrait maintenant que j'aille épouser des toilettes publiques. Amanda est encore mieux qu'elle. Et toi, grande sœur, laisse-moi te dire ceci. Va tomber enceinte. Parce que l'homme qui va te mettre enceinte, je vais très bien l'accueillir. Parce que tes égaux ont déjà 4 à 5 enfants chez leur mari. Laisse-moi jouir de cette maison. C'est la maison de mon père. Va te marier. Mon père, je n'aime vraiment pas ce qui se passe au sein de la chorale. Hein? En fait, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu de l'église. Pourquoi exactement vous dites cela? Dis-lui, non? Mon père, c'est à propos de cet idiot qu'on appelle Modestus. Je parle du maître cœur. Mon père, vous voyez cet idiot qu'on appelle Modestus? Lorsque j'en aurai fini avec lui, toute oreille qu'il entendra va se fermer. Croyez-moi. Je n'étais pas au courant de cela. Et je crois aussi que la plupart des choristes ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Donc prenons les choses calmement.
pour ne pas aggraver la situation. Merci, mon père. Mais mon père, pourquoi ne demande-t-il pas après Chinwe, vu qu'il ne la voit plus à la chorale? Ce n'est pas juste, comme si elle n'en était pas membre. Ils ont tout oublié en ce qui la concerne, juste comme ça. C'est une fille qui a consacré tout son temps à bâtir la chorale de l'église. Hein? Personne ne demande de ses nouvelles, personne ne se soucie d'elle, mon père. C'est mal! Calmez-vous, monsieur Chukwe Opuka. Vous êtes un membre de cette paroisse. Oui, mon père. Et aussi un membre de la CMO. Oui, mon père. Le garçon en question est un orphelin. Il vit avec sa grande sœur. Je suggère que vous alliez chez sa sœur pour vous plaindre. Elle vous écoutera et les choses seront résolues comme elles se doivent. Je vous ai entendu, mon père. J'irai rendre visite à la femme en question. Mais si elle essaye d'abuser de ses prérogatives, mon père, je vais m'occuper d'elle. Je vais lui faire la peau au poing, si vous l'entendez. Mon père, calmez-vous. On s'en va. Okay. Ouais. Merci, mon Et père. Et tout ira bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Hé hey, hey, hey. Descends. 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 Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais quelque part. Tu vas quelque part? Oui. Voilà, c'est bien que tu ailles quelque part. Moi également, je vais quelque part. Mais avant que tu ailles quelque part et moi aussi, j'aimerais te poser une simple question. Qu'est-ce que tu veux à Evelyne? Tu parlais d'Evelyne? Je parle de ta grand-mère. Je parle de ta grand-mère. Je te demande ce que tu veux à Evelyne. Tu me parles d'Evelyne? Ti, bon, écoute. Je l'aime bien. Je veux juste être avec elle. Tu sais, elle est calme et belle de nature. J'aime juste son corps et rien d'autre. Chai. Elle est très calme et belle de nature. C'est ce que tu apprécies chez elle. Tu aimes ses longs cheveux. Tu aimes sa peau jaune et son petit corps. Tu me dis carrément que tu aimes son petit corps. Tu l'aimes bien. Est-ce que tu réalises vraiment que cette fille est la future épouse de quelqu'un? Si, oui. Je ne veux pas l'épouser. Je n'ai jamais dit que je voulais l'épouser. Je veux juste être avec elle pour un moment. Et après la laisser. Hey! C'est quelle abomination que voilà. Tu veux juste être avec elle pour un bout de temps. Alors comme ça, si je comprends très bien, tu veux finir de la manger dans toutes les sauces. Tu te rassasies d'elle, si j'ai bien compris. Tu lui donnes le coronavirus et tu rentres en Chine. C'est bien ce que tu essaies de me dire? Tu ne veux pas l'épouser, mais tu veux être avec elle. Je te préviens pour la dernière fois. Reste loin de cette fille. Si tu t'aimes vraiment, et que si tu tiens à retourner en ville, ou peu importe de l'endroit d'où tu viens, reste loin de cette fille. C'est la dernière fois que j'évoque ce sujet avec toi. Si jamais je parle encore de ça avec toi, je te jure au nom de Dieu. Crois-moi, tu ne m'oublieras jamais de ta vie. Reste loin de cette fille. Reste loin de cette fille. Sonny Charbon, reste loin de cette fille. Sonny Voiture Blanche, reste loin de cette fille. Tu te parles, tu... Oh, je te parle, tu entres dans ta voiture, c'est ça? Tu entres dans ta tombe. Je te parlais. Tu m'as laissé planter là. Et tu es entré dans ta tombe. Ah, il faut bien partir. Tu peux partir dans ta tombe. C'est ça, tu peux partir, va-t'en. C'est comme ça qu'on va chanter à ton deuil. Pam 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 pam. Je te promets, c'est ce qui va t'arriver. Que je te vois encore à côté de cette fille. Stupide imbécile. Je ne te blâme pas. Je ne te blâme pas. Le coronavirus que tu as ramené pour venir passer dans tout le village avec les pieds comme les petites fourmis. Tu portes carrément ton coronavirus pour venir partager ici. Tu veux être avec elle. Tu as l'effronterie de me dire que tu veux être avec ma copine. Oh! Attends que je me penche sur ton cas. Parce que je vais franchement te faire la peau. Note ça quelque part. Si je m'occupe pas de toi, efface mon nom de ce village. Va quelque part, moi, si je vais quelque part. Tu ne me connais pas bien. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Attends, tu vas voir. Je ne te blâme pas. Ce n'est pas ta faute. Vas-y. Non, mais quelle toupet.
Tu me dis carrément en face que tu veux être avec elle? Oh! Ok, je comprends. Je vois que tu me prends pour un faible, c'est bien ça, n'est-ce pas? Tu verras de quel bois je me chope, pauvre con. T'en fais pas. Avec sa vieille voiture blanche. Attends, tu crois que tu es la seule personne à avoir la voiture? Eh bien, si c'est le cas, alors tu n'as qu'à épouser ta voiture. Allez, on vient, je te dépose, blablabla. Bla, bla. Tu es chauffeur de taxi? Tout ça pour détourner les femmes des gens. Tout ça pour la déposer ici. Tu vas voir. Tu ne me connais pas. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Je te l'ai dit, tu ne me connais pas. Si tu le sais pas, je suis un vrai fils de ce village. Et tu te mesurer à moi, stupide imbécile. Tu ne me connais pas bien. Pauvre con. Il dit qu'il aime son petit corps avec son corps comme le serpent. Quand continue, tu verras. Je te fais la peau. Je ne te blâme pas. Oui, maman. Maman. Tu es encore là à faire semblant, c'est ça? Maman, a-t-elle dit quelque chose? Amanda. Oui, tonton. Écoute, dis-moi qui est l'auteur de ta grossesse. Je te pose une question et tu fais... Est-ce père qui t'a enceinté? Dépêche-toi de me répondre. Tu as intérêt à parler maintenant ou alors je vais te faire la peau. Amanda, dis-moi qui t'a enceinté. Réponds-moi vite. Ça veut dire quoi ça? Allez, parle maintenant. C'est... Parle! C'est le chef de cœur. Hein? Le chef de cœur? Le chef de cœur. C'est lui qui t'a enceinté? Attends une minute. Le même chef de cœur que je connais? Hey! Je n'arrive pas à y croire. Ce gars est un vrai poison pour ce village et pour la paroisse. Modestus. Le même Modestus qui a enceinté Tingwei et d'autres filles. Modestus, tu as fait ça. Mais sache que là, franchement, tu t'es attaqué à un nid d'abeilles. Je vais te régler ton compte. Modestus. Sam et Jude, je vous ai appelé. Nous sommes là. Vous savez, il y a un adage igbo qui dit que les amis sont pour le jour du malheur. Et il y a aussi cet autre adage qui dit que... un ami est plus qu'un frère. Et il y en a aussi un autre qui dit simplement que... aider son frère est une dette envers Dieu. Ezukwanamanu. Modé. Tous ces adages, Ibo, hein? Que tu ne cesses de dire. Tu n'as même pas dit ce qu'il fallait. Parce que là maintenant, je pense que Jude et moi sommes toujours perdus. C'est bien vrai. Explique-nous exactement pourquoi tu nous as appelés. Je ne voulais pas vous raconter ça à tous les deux, mais... avec tout ce qui se passe maintenant, je suis obligé de vous en parler. Ok. L'autre jour, Xingwei m'a fait savoir qu'elle était enceinte de moi. Hey! Ça va tomber sur tout son cœur. Modé, Chino est enceinte.
qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous l'ai déjà dit, je ne voulais vraiment pas vous en parler, mais Amanda aussi est enceinte de moi. Ha! Ane kuni fwe, ane mwa bodi fwe mwa. Crescendo, diminuendo et innuendo. Tout ça mélangé a donné grossendo. Nafofweni. Il faut le dire, t'es trop fort, mon Modé, frère. Amanda aussi est enceinte de toi. Je vous ai appelé tous les deux pour m'aider et me conseiller, mais seulement tu es là à me parler de grossendo. Est-ce que c'est bien? Mais c'est vrai, non? Oui. Et tu leur enseignais comment faire crescendo, diminuendo, innuendo. Le résultat donne grossendo. C'est ça même. Félicitations. Sam. Hmm? Pour dire vrai, tu sais que tu es mon vrai bras droit. Avant, oh. Tu dis avant? Oui, non. Avant. Parce que là maintenant, Jude devient en effet ton bras droit. Vu comme il est assis, je ne suis que le second. Ça, je refuse. Que tu vois. Je refuse ça. Tout compte fait, laissez-moi vous dire ce que j'ai dans ma tête. Vas-y. J'ai besoin de ton aide. Ok. T'aider comment? Je ne comprends pas. Bon, écoutez. Vous savez très bien que je ne peux pas épouser deux femmes à la fois. En tant que maître de cœur. J'aimerais que tu choisisses entre Amanda et Xingwei. Tu épouses l'une et moi j'épouse l'autre comme tu es mon ami. Modé, c'est comme si ce que tu dis est une erreur, hein? Tu veux dire que je dois t'aider à choisir entre Amanda et Xingwei. Qui tu vas épouser? Non, qui vas-tu épouser toi pour que j'épouse l'autre? Ok, que je choisisse une, je l'épouse et tu épouses l'autre. Oh, ça. Je t'en prie, sauve-moi. Oui, comme Jésus, non? Modé, après que tu aies fini de porter les chaussures, je viens encore pour les cirer. J'enlève la poussière, j'enlève la saleté et je porte. Non, Modé. Ce jour-là, on était au bar de cette femme en train de boire. Et tu as introduit le sujet de la nièce de Siwai. Je t'ai supplié devant Jude que voici. Modé, laisse Amanda pour moi. Laisse-moi lui enseigner le crescendo, diminuendo et l'uniendo. Mais tu m'as insulté. Modé, tu m'as insulté. Tu es même allé jusqu'à dire que si je n'étais pas ton ami, tu allais me traiter d'idiot. En plus de l'insulte. Et maintenant, tu veux que je vienne t'aider à épouser une. Hein? C'est peut-être Jude qui sera chargé de cette tâche. Tu parles de qui? Jude, écoute. Oublie juste ce que Sam vient de dire, hein. Je croyais que Sam était mon vrai bras droit. Écoute, d'accord, tu sais qu'Amanda est vraiment très belle. Peux-tu épouser Amanda pour que moi je puisse épouser Xingwei? On peut arranger ça. Je peux appeler Amanda et on arrange ça. Tu couches avec elle et comme ça, elle va dire à tout le monde que c'est tu toi dis quoi? L'auteur. Modé. Modé. Hein? Toi et moi, s'arranger? Oui. Et je vais coucher avec Amanda? Oui. Pour qu'elle dise ensuite que je suis l'auteur de la grossesse. Tu es bien malade. Modé, ça n'arrivera pas. Laisse-moi te dire. Modé, Salomon, hein, dans la Bible, tu sais qu'il a épousé 700 femmes et 300 concubines. Donc ce ne sera pas une mauvaise chose. Ça ne sera jamais quelque chose de honteux si toi, tu épouses les deux. Oh, je t'assure. Oh. Ok, pas de problème. Hein? Étant donné qu'aucun de vous deux ne veut m'aider, aucun problème. Hein? Je croyais pourtant que vous deux, vous étiez mes meilleurs amis. C'est uniquement la raison pour laquelle je me suis confié à vous. Mais pas de problème, je pense savoir quoi faire maintenant. C'est oui, mieux. Je sais vraiment quoi faire ici. Mais je vous préviens tous les deux. Un jour, l'un d'entre vous me demandera prochainement de l'aide. Et je ne l'aiderai pas. Aucun problème. Comment? Pas dans ce genre de situation. Comment est-ce qu'on aura besoin de ton aide? Pas dans ce genre de cas. On aura besoin de ton aide pour le partage d'Amanda. Souviens-toi. Si je prenais le crescendo, tu prenais le diminuendo. Je prenais l'innuendo. Ou toi, tu nous la donnes. Comme on ne pouvait pas la diviser en trois, je prenais le diminuendo. Et tu prenais le crescendo. Vraiment? Et l'innuendo. Porte ta croix. Abadasia. Mais tu as refusé. Porte ta croix. Thank you.
La dame d'ici est où? Docteur, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'arrive tout de suite. Pardon. Qui me cherche? Madame, où est votre fils? Où est ton fils? Oui. Mon frère, il n'est pas à la maison. Dis-moi, ce n'est pas sa mère? Sa sœur. Ok, où est ton frère? Comme je l'ai dit, mon frère n'est pas à la maison. Qui êtes-vous? Ah, nous sommes ses parents. Nous sommes là pour livrer l'éléphant que le piège de ton frère a tué. Le voici. C'est tout. Donc, vous êtes les parents de cette fille qui a refusé de laisser mon frère tranquille. Chiwe, ou quel que soit ton nom, combien de fois t'ai-je demandé de laisser mon frère tranquille? Mais tu as refusé. Combien de fois t'ai-je demandé de ne plus venir chez moi? Alors tu vois, maintenant c'est arrivé. Mais je vous conseille de ramener votre fille chez vous. Parce que mon frère n'est pas à la maison. Mais je vais lui transmettre votre message quand il sera de retour. Mama Chingwe, tu l'as entendu? Espèce d'idiote, passe là-bas. Petit imbécile, regardez-la. Petite idiote. Voilà donc les conséquences. Madame, bonsoir. Est-ce que ton frère est rentré? Est-il rentré? Je ne sais pas. Mais je lui transmettrai le message quand il sera là. Qu'est-ce que tu veux dire par quand tu vas le voir? Ne vis-tu pas dans la même maison que lui? Hein? Écoute. C'est moi qui retiens mon Mario. Sinon, ton frère serait au chaud au commissariat à l'heure actuelle. Ma chère, s'il te plaît, ne l'arrêtez pas. C'est le seul frère que j'ai. Nos deux parents sont morts. Si vous l'arrêtez, ça veut dire que vous m'arrêtez aussi, s'il vous plaît. Ishioka, s'il vous plaît. On va aussi t'arrêter. Parce que vos deux parents sont morts. C'est pour ça que tu lui as demandé d'enceinte ma fille. Hein? Pourquoi vous parlez comme ça? Je parle de quelle manière? Pourquoi m'accuser de quelque chose que je ne connais pas? Que veux-tu dire? Ce n'est pas ta fille qui s'est jetée elle-même sur mon frère? Qu'est-ce que je t'entends dire là? Tu m'as bien entendu. Qu'est-ce que tu insinues? Impossible! Ma fille ne pourra jamais se jeter sur ton stupide frère. Non, impossible! Ton stupide, idiot, imbécile de frère. Un bouc de dernière catégorie. C'est jeter sur ma fille. Si possible, la droguer. Mais tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Je vais dire à mon mari de prendre sa décision. Je ne l'arrêterai plus. Ma chère, écoute-moi bien. J'en ai marre de vous supplier. Qu'il fasse exactement ce qu'il veut. Que ton mari fasse tout ce qu'il veut. S'il veut même qu'il l'arrête, je m'en fiche. C'est même quoi ça? Ma chère sœur, bonsoir. Pardon. Wow. Êtes-vous la sœur du chef de cœur? C'est quoi cette stupide question? C'est bien elle, c'est sa sœur. Un vrai bouc. Ton frère a tué un animal, oh? Ma petite fille est enceinte de lui. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as bien entendu. Encore une autre. Tu vois alors? Ton frère va épouser deux femmes au même moment. Attends, tu vois alors? Attends. Attends. Il a aussi enceinte ta fille? Oui, oh ma sœur. C'est un chasseur professionnel. Voilà. Qu'elle nie encore. Okanekumbio. La vraie vérité, ma sœur. La vraie vérité. Tu n'importe peux encore quoi. Parler? Je me fiche pas mal de vous. Elle se tu fiche pas mal temps. De nous. Regarde. Écoute. Tu as compris? Tu auras notre elle temps. Elle n'aura pas notre temps. Tu sais pourquoi? Tu auras notre temps. C'est elle qui a demandé à son frère d'enceinter nos filles. C'est possible. Tu vois regarde la vérité en face et tu me dis que c'est impossible. Regarde comment elle marche. Regarde comment elle est. Tu es là, tu t'amuses. Timo. Ta petite fille? Ma petite fille est enceinte, oh.
Donc, tu veux dire que toutes ces choses se passaient dans la chorale sans que tu m'en informes? Mon père, ce n'est pas que je ne voulais pas vous informer. J'avais en tête de vous informer, mais... à cause du temps et d'autres, vous voyez, je me suis dit que je garderais ça pour moi. Désolé. Où est Amanda présentement? Ma mère l'a chassée de la maison. Elle l'a envoyée vivre avec Modestus. Et Evelyn, est-elle encore malade? Voilà, en fait, je ne l'ai pas revue depuis lors. Mais où qu'elle soit, je sais qu'elle doit être malade. Oui, je suis sûr qu'elle doit encore être malade. Si, mon fils. Je constate que tu n'as pas vraiment respecté tes différents engagements dans la chorale dernièrement. C'est d'ailleurs comme si tu étais distrait. C'est quoi le problème? Mon père, je n'ai pas de problème en ce qui me concerne, je vais bien. Mais le seul problème qu'on a, c'est ce nouveau gars qui vient d'arriver dans la chorale. Le gars qu'on appelle Sonny Chaco. Vous savez, depuis que ce gars est entré dans la chorale, c'est problème sur problème. En fait, toute la chorale n'a plus été la même. Tu dis qu'il s'appelle comment? Sonny, ou Sonny Chaco, ou Sonny Charbon. Le gars qui est revenu de la Chine. Il dit que c'est à cause du coronavirus qu'il est encore bloqué ici. Voilà, en fait, il dit que le virus doit disparaître avant qu'il ne retourne là-bas. Depuis qu'il est entré à la chorale, mon père... Ah! Mon père... Ah! Bon, je pense que je vais remanier la chorale. Merci pour ton temps. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Evelyn, comment tu vas? Tu sembles troublée. Je vais bien, je n'ai pas de problème. Je m'en vais chez Sonny Chaco, tu l'as vu? Yeah. Donc tu n'es pas au courant? Sonny Chaco est retourné en Chine. Quoi? Tu n'es pas sérieuse. Ok, comme je ne suis pas sérieuse, va voir par toi-même. Ah, attends. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion. La raison pour laquelle je l'ai convoquée, c'est à cause de la situation qui prévaut actuellement dans la paroisse. Et surtout, au sein de la chorale. Et le plus compliqué de cela, c'est que ça implique deux familles. Si l'Église permettait la polygamie, j'aurais dit que Modestus épouse les deux filles, mais l'Église ne le permet pas. Alors, que pensez-vous qu'on doive faire maintenant? Mon père, tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités ici à votre paroisse. Cela montre que vous êtes vraiment un berger. En ce qui concerne la situation en cours, je pense que Modestus doit épouser les deux filles en question. Hein? Parce que je ne sais qui parmi les deux devrait être lésé. Si l'Église ne le permet pas, la tradition le permet. Hein? Écoutez, mon père. Réfléchissons. Ok, si on lui impose une, à qui est-ce qu'on va laisser l'autre? Hein?
Ce jeune homme a le devoir d'affronter son destin. Mon père, je suis d'accord avec ce que mon mari a dit. Modestus, ou quel que soit son nom, doit épouser notre fille. Bien. Je ne sais pas pour toi, oh, mais je parle pour moi. Mes amis, je ne sais pas encore quoi dire. J'ai appelé ma fille, la Mère Amanda. Elle réside à Abuja avec son mari qui est militaire. Alors là, c'est grave. Ils ont dit qu'ils viendront la semaine prochaine. C'est à eux de prendre la décision. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire, je vous assure. Mon père, je vous remercie beaucoup d'avoir convoqué cette réunion. Je dois dire quelque chose. Qu'il ne soit pas dit que je suis restée silencieuse. Mon frère, Modestus, est maintenant le coupable. Mais quand je parlais à ses filles, quand j'avertissais vos filles, elles n'écoutaient pas. Je leur ai dit de cesser de venir chez moi. Je leur ai demandé de rentrer chez elles. Elles ont refusé. Maintenant, c'est de la faute de mon frère. Pour votre information, Modestus est introuvable. Il s'est enfui. Donc, mon père, toute décision que vous prendrez, je vais l'accepter. Je ne suis qu'une femme. Je ne sais pas quoi faire. Et je suis la seule personne que Modestus a. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Je dois faire quelque chose à ce sujet. Merci. Merci, mon père. Vous devez absolument faire quelque chose concernant la chorale de l'église. Tout le problème commence par là. Je le ferai. Je le ferai. Je ferai quelque chose très vite. Oui, merci. Mon père, on va y aller. Merci. Lève-toi, on y va. De rien. À plus tard. Merci, mon père. Dieu, dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Un membre de la Légion de Marie, comme moi, la secrétaire des jeunes de la paroisse. J'ai régné ma foi à cause des choses matérielles. Je me suis vendue à vil prix à cause des choses matérielles. Maintenant, je suis enceinte de Sonny Chaco. Il m'a larguée et il est retourné en Chine sans même me dire. J'ai perdu C, lui qui m'aimait. Oh mon Dieu, dois-je repartir vers lui maintenant? Non, non. Il ne m'acceptera plus jamais. Parce que j'ai brisé son cœur. Oh mon Dieu, pardonne-moi mes péchés. J'ai péché contre toi, mais aussi contre si. Pourras-tu me pardonner, Seigneur? Pourras-tu? Je regrette tout maintenant. Je regrette. Oh mon Dieu! Je vous ai appelé ici
pour vous dire que j'ai confiance en vos capacités de réussir dans cette compétition à venir. Et je vous fais aussi la promesse que quel que soit ce qu'il faut, quel que soit ce qu'il en coûtera, pour que vous soyez préparés pour la tâche qui vous attend, tenez-moi juste informé. Je promets de vous aider au mieux de mes capacités. Merci. Merci, mon père. De rien. Que Dieu vous bénisse, hein? Nous vous remercions pour cette confiance. Merci pour le soutien que vous avez promis de nous apporter. Et moi, Livina, mon père, je vous promets qu'à partir de cet instant, nous allons redorer l'image de la chorale. Je vous fais confiance. Mon père, je veux vous remercier. Je vous remercie surtout pour l'honneur que vous me donnez. De devenir le nouveau chef de chœur de cette chorale. Mon père, je veux vous promettre quelque chose. Vous voyez ce trophée? On le ramènera dans cette paroisse. Amen. Soyez juste unis. Ramenez le trophée ici. Ça sera un sujet de joie pour la paroisse. Amen. 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 Et une fierté également. Oui, oui. Mon père, bénissez-nous. Baissez vos têtes. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, c'est vous deux qui avez conspiré pour qu'on m'enlève de la chorale. Hey, on a fait quoi? Donc vous, ces petits démons, avez conspiré contre moi, Siwai. Laissez-moi vous demander quelque chose. Tu demandes quoi, Siwai? Merci. Hein? Qu'est-ce que tu veux me demander? J'ai une question. Ouais. C'est moi qui t'ai demandé de courir après les jeunes filles. Merci. Hein? Merci. À cause de ça, tu as été déchu. Vite, vite, vite. De ton poste. Immédiatement. Hein? Immédiatement. Siwai, pourquoi tu faisais ça? Un président. Pourquoi es-tu descendu aussi bas? Un président. Hein? Je te dis qu'il était mon conseiller. N'appliquait pas lui-même. Président. Quel genre? Qui court derrière les filles? Hein? Tu vois ta vie? Hey, Siwai, quand je te suppliais, de laisser cette petite fille tranquille, tu as refusé. Tu vois ta vie? Tu as ouvert ta bouche pour me dire à moi, Lina, que je ne suis qu'une moins que rien. Une pauvre C'est vrai. Hein? Il tu m'insultais. Il a dit. Regarde-moi. Tu ne regrettes et pas voilà. maintenant? Hein? Tu ne regrettes pas? Vante-toi encore. Immédiatement. Voilà ta vie. Regarde-toi maintenant. Vous savez ce que je vois quand je vous regarde? Je vois deux bons idiots. Honnêtement, vous êtes devenus des objets de caricature. Très bientôt, tu vas commencer à lui enseigner le piano. Après le piano, ça devenait autre chose. J'ai vu de quoi tous les deux vous êtes faits. J'espère. Vous êtes tous les deux méchants et fous. J'espère que c'est pas à moi que tu t'adresses. J'espère que c'est pas à moi que tu parles. C'est à toi que je parle. Tu vas faire quoi? C'est à toi que je parle. Suis-je la cause de ton malheur? C'est pas moi qui t'ai envoyé faire des bêtises. Bonne question, imbécile. Que le tonnerre de la Damawa vous frappe tous les deux. Que le tonnerre de Jérusalem te coupe en deux. Merci n'importe pour la réplique. Quoi. Ouais. C'est toi l'imbécile. N'importe quoi. Je vous blâme pas, très bientôt votre coupe sera pleine. Tu peux plus rien, ta coupe s'est versée. Tu as raison, frère. Tu peux plus rien faire. Vous serez coupé de honte tous les deux. Continuez. Ne vous en faites pas. Continuez. Thank you.
Oui, oui, oui. Quoi? C'est une blague? Tu es sérieuse? Oh, Seigneur! Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Ah! Ah! Modestus, le malheur te suivra toute ta vie. Nous sommes vraiment finis. Nous sommes vraiment finis. Nous sommes finis. Quel malheur! Mais attends, je suis là à dire que nous sommes finis. Ne sommes-nous pas mieux qu'Amanda et Chinwe qui l'a enceinté? S'il n'avait pas enceinté Amanda et Chinwe, comment aurions-nous su qu'il couchait avec nous quatre? Je ne repartirai plus là-bas. Je ne repartirai plus là-bas. Je ne repars plus là-bas. J'ai vraiment honte de moi. Genre, j'ai tellement honte de moi. Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Hey.